Every single way your smile reminds me in every single way Oh hello I have perfect day I love, love you <laughs> Woo Bumbu <laughs> pa Ladies and gentlemen, everyone, je suis ravie de vous retrouver en today. Mais c'est vrai que là, c'est une grande canicule. C'est une canicule. Donc, c'est vrai que si vous voulez, il n'y a plus de six ans. Ben là, littéralement, il n'y a plus de six ans. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. Mais pour autant, c'est vrai que là, je rencontre une difficulté. Je suis ravie de vous retrouver dans un état. Je suis débraillée. <laughs> je suis débraillée. <laughs> Mais je sais que vous ne maintiendrez pas rigueur les filles et les garçons parce que j'ai le bonheur... Est-ce que ça filme Allé, j'ai le bonheur de vous retrouver en today pour la beauté. La beauté dans tous les azimuts. La beauté à double titre. La beauté dans une première acception, euh, si vous voulez. <laughs> vous le savez, quand je suis ivre de chaleur, je fais n'importe quoi, je dis n'importe quoi. <laughs> Mais pas le discount. Je ne fais pas n'importe quoi avec le discount. Dans une première acception, donc, la beauté en collaboration avec Look Fantastique. J'ai le bonheur de vous retrouver en today, dans le cadre de cette merveilleuse collaboration en fil rouge. Avec Look Fantastique, à ce titre, sa belle F, les filles et les garçons, c'est un code promo permanent. Mon ambition, mon vœu, my wish, my dream, I believe. <laughs> J'aimerais que ce, ça devienne un réflexe pour vous. Quand vous envisagez d'acheter quelque chose, quand vous avez besoin d'acheter quelque chose, quand vous avez besoin de faire les backups de quelque chose à la charge, je veux que le premier réflexe soit Look Fantastique, le code de Bibi sa belle jusqu'à moins 40% de réduction sur toute la gamme, sur tout le site, le très riche référencement de Look Fantastique. Look Fantastique, considéré, c'est la femme. <laughs> Dieu bénisse. Et donc, si vous voulez, à ce titre, au titre de cette collaboration, j'entreprends de vous offrir un petit unboxing d'affirmé. Je n'ai pas tout reçu. Mais j'ai déjà reçu quelques, quelques pépites. Et j'ai le carton. Et deuxième exception de ce, ce, ce rendez-vous beauté, vos questions. FAQ beauté, ça faisait un moment. Donc c'est vrai que où est Stan C'est ça la question qui est étonnante. je suis sûre de l'avoir pris, oui. Donc je le mets à même le sol, mais vous savez qu'il est là. Donc je suis super excitée Il y a un truc notamment dans cette box. Il va probablement y avoir des tonnes, ben c'est vrai qu'il va y avoir des tonnes d'aller-retour entre ici mes salles de bain, mon vanity et mes choses. Parce que euh, les questions beauté, et c'est vrai que tant est si bien que là je me rends compte que j'ai oublié un truc qui pas. On démarre sur les chapeaux de roue, vous m'entendez ou pas <laughs> <laughs> c'est Sabrina, vite, viens voir, on dirait qu'elle est bourrée. <laughs> je ne suis pas bourrée, j'ai chaud. Également, si vous voulez, les filles et les garçons, là c'est vrai que j'ai mis le Dyson. Et là je l'ai mis un peu plus fort qu'à l'accoutumée parce que là il fait vraiment très très chaud. Donc j'espère de tout cœur que ce n'est pas une nuisance sonore insupportable. Donc je commence tout de suite à Ladies and Gentlemen. Première pépite de mon carton. Et je ne sais pas ce que c'est. Bien emballé. Ah oui. Ah ben c'est vrai que là, le make-up. Alors si vous voulez, les membres, tenez-vous prêts parce qu'il y a une, un focus marque qui arrive là. Sur un monstre de marque que je suis absolument ravie de voir enfin arriver chez nous. On a mis quelques dessins oui. en <laughs> mais il vaut mieux tard que jamais. Et c'est vrai que là, je suis dans un kick make-up. Autant tout l'été, l'été, vous le savez, je ne me maquille que très très peu, vraiment très très peu. Euh... C'est vrai que de toutes les manières, de manière générale, plus je prends de l'âge et moins je me maquille. J'aime le maquillage performant, mais performant dans le sens de le make-up et du skincare. Je me maquille beaucoup moins. Je trouve que même que ça rend. Même, euh, dès que je fais un, commence à faire un, un beat face, je me dis c'est too much, c'est pas moi. Alors que c'est exactement le même make-up que je fais mécaniquement tellement j'en ai l'habitude. Ça vous le fait aussi ou pas mais là, c'est vrai que c'est la rentrée. Euh, vestimentaire, n'est-ce pas <laughs> Donc, c'est vrai que le make-up. Et c'est vrai que là, il y a eu quand même cette nouveauté. Natasha Denona. Oh, ladies, on Vous le savez, j'ai la chance d'avoir la quasi-totalité de ces palettes. Je, je n'ai pas beaucoup de maquillage chez Madame Denona. Mais ces palettes, euh, yeux, sont vraiment exceptionnelles. Sur la, la qualité des fards, la blendability, la manière dont ils se travaillent, la tenue, ils sont vraiment exceptionnels. Ces palettes, euh, tout en make-up, je jamais rien essayé chez elles qui m'ait déçue. Mais les palettes pour les yeux, vraiment pour moi, sont exceptionnelles. Donc là, on est sur une Yuka. Yuka des familles, est-ce que j'ai pas le, cil, le fossile de droite qui se décolle ça question, avec toute cette chaleur. Croyez-moi, ils sont tellement corporés que tu peux même vous montrer le miroir sans vous. Il est opacisé. Est-ce que vous voyez la beauté de cette palette Je vous la mets à l'écran. C'est vrai que là, on a un grand problème de beauté. Hein. Est-ce que vous voyez acacia ici, qui n'est ni il est ni gris ni kaki. Ni beige, mais un peu les trois. Mazette. Tipu. 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 C'est vrai qu'ils ont des noms. Hein. Komorebi. Yuka. Ouais. Donc, Tipu, si vous voulez, ici, est magnifique. Valet, ici, est absolument sublime. Citrine. Ixia. Non, calatea. Non, non, c'est grave. C'est une magnifique palette, hein. Là, c'est une magnifique palette Willow qui est un teal, donc c'est ni un bleu, ni un vert, ni un turquoise euh... oh sur les yeux marrons, ça c'est merveilleux. Et euh, donc c'est un grand succès cette nouvelle palette. Je présume qu'elle est nouvelle, nouvelle palette chez Natasha Denona est une vraie belle réussite. Maquilla ici qui est un irisé. Est une espèce de mordoré, euh, oh là là, euh, jaune, vert, kaki, euh, euh, ouin, ouin, ouin. bronze, que, que sais-je. C'est grave, là c'est grave, c'est une très très belle palette. Donc euh, n'hésitez pas à profiter de mon, de mon code. N'hésitez pas à profiter de mon code. Voici pour cette toute première pépite chez Natacha Denona. Et c'est vrai que je vais essayer de prendre vos questions, et j'ai quelque chose dans l'œil, ne quittez pas. Voilà, donc j'attrape une de vos questions. Vous avez été des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes à m'adresser des questions. Je vous les mets à l'écran au fur et à mesure. J'ai Letty Sia64 qui me dit 30 ans et je n'arrive pas à me débarrasser de mon acné, je ne sais plus quoi faire. Alors, si vous voulez. L'acné. Il est important d'être attentif à l'âge de survenance de l'acné, parce que classiquement, entre guillemets, classiquement, on peut faire de l'acné au, au niveau de la puberté, au moment de la puberté. Et pour ce qui est des femmes, on peut faire de l'acné tardif, c'est le fameux acné hormonal. D'accord Mais là, tu n'es ni dans l'un ni dans l'autre cas. Donc, il faut vraiment t'intéresser, évidemment. Il n'y a aucun autre meilleur conseil que d'aller consulter ton médecin d'armato. D'accord Mais dans l'intervalle, moi, je m'intéresserai initialement et de prime abord et tout de go <laughs> à mon alimentation. Dans l'alimentation, c'est vrai qu'en premier lieu, moi, je me concentrerai tout de suite sur les produits laitiers. Parce que. La survenance de l'acné, si vous voulez, c'est très connecté à un désordre hormonal. Si vous considérez ce qu'est le lait de vache, rapportez-le à cette, cette problématique de l'hormone. À qui est-ce qu'il est destiné ce lait À un bébé veau qui est censé devenir ce monstre de bovin là. C'est bourré d'hormones. Donc les produits laitiers euh, en tout premier lieu. Mais vraiment, je m'intéresserai à mon hygiène de vie de manière générale. Qu'est-ce que j'utilise dans mes routines de soins Quelles lessives j'utilise Le shampoing Est-ce que j'ai les cheveux sur le visage Le renouvellement des d'oreiller d'oreiller euh, euh, Il faut procéder par élimination. Une fois que tout ça c'est clean, c'est clair et que vraiment ça persiste, là, il faut faut quand même aller trouver le médecin d'Armato. Il y a peut-être une réaction à un actif, il y a peut-être quelque chose. D'accord Mais c'est vrai que le, moi mon premier réflexe là comme ça à 30 ans, tu as l'acné à 30 ans, moi tout de suite je regarderais l'alimentation et dans l'alimentation, je mettrais quand même un focus sur les produits laitiers qui ne sont donc pas nos amis pour la vie, qui sont plutôt exactement le contraire et donc swim je pense que ça va être une longue vidéo les filles c'est pour ça que je suis en survette. survette t-shirt pas coiffé euh, dans une détente ça va être bien mais j'espère quand même si on est dimanche j'espère que vous ne la regardez pas aujourd'hui parce que là, à forcéori euh, et apparemment euh, selon toute vraisemblance il fait beau euh, tout le week-end. Hein, voilà. Et bien, donc, Chibi suit avec donc Jessie, Jessie Jess 20-2013, qui m'a l'air d'être très croyant. Tes recommandations pour traiter un bouton et ou des invités sur le visage Merci. Alors, c'est vrai que moi, si vous voulez, euh, je n'ai pas de tableau. Maintenant, je sors avec en journée le souffre. Les petits produits concentration de soufre et de zinc. Vous les connaissez. Maintenant, ils existent très nombreux dans la cosmétique asiatique. Je vous mets les, mes, mes favoris dans la barre d'infos. Également, euh, et plutôt euh, surtout en ce moment, les euh, petits patchs, les patchs transparents. Ils sont vraiment formidables. Ils disparaissent, on ne les voit vraiment plus. On peut se maquiller, si vraiment par nécessité, on peut se maquiller par-dessus. Euh, les patchs, les petits patchs là chez Cosarex, chez Pyongkang, dans la gamme Acne chez Pyongkang, ils sont vraiment très efficaces, mais ils sont efficaces! Efficaces, parce que je jette le billet train qui dévoile ma localisation. <laughs> bon. Et si vous voulez, euh, les patchs. Mais aussi évidemment l'acide salicylique sur un coton de tige en application euh, locale. Euh, mais la première, moi personnellement, et vous le savez, il y a deux écoles, c'est chacun voit midi, C'est chacun. il y a deux clans qui s'affrontent, qui s'opposent. <laughs> Avant tout ça, moi évidemment, je l'éradique, le, je, je le bouton, je m'en défais. Donc avec des mains très propres, sur une peau très propre et sèche, je procède à une extraction. Moi, je suis plutôt sur les terrains préventifs, si vous voulez. Parce que moi, je fais de l'extraction, les gommages, les masques, des incrustants. Hein, hein. Mais une fois que l'embrouille, elle est là, elle est là. Hein. C'est vrai. Euh, moi, je suis plutôt pour. Euh... Pour moi, c'est conceptuel de laisser un comédon aller jusqu'au. évoluer comme ça dans son, sa... la progression de, de son évolution. Non! D'accord? J'ai Clara Menicou, c'est mignon, Clara Menicou, de... À quel moment de la routine et de la journée mettre le rétinol Merci, chère Sabrina, avec plaisir, ma chère Sista. Le soir. Et c'est pas euh, en fonction de son envie, de son planning ou de ses goûts. Il est photosensibilisant, le rétinol. Donc, il faut pas s'exposer au rayon. Donc, non seulement il convient de l'appliquer le soir... Mais en plus, systématiquement et absolument et indispensablement, le lendemain matin, il faut poser une protection UV. De toutes les manières, quoi qu'il advienne, il faut poser une protection UV. De toute la routine de soins, c'est probablement le produit le plus, plus important, hein, s'il si ne devait en rester qu'un. Hein. Bon. Mais c'est vrai que, de surcroît, si vous utilisez du rétinol, ou les rétinoïdes, quels qu'ils soient, même si ce n'est pas le rétinol, les rétinoïdes, la famille, ça inclut le rétinol, le rétinal, la trétinoïne, tout, tout le gang. Donc, euh, swim. Awesome. Lucie le Luciole 87 me demande Quel produit, s'il te plaît, pour un sillon nasogénien marqué Je n'ai que 35 ans. Reheleu, peux-tu nous montrer les gestes de gymnastique faciale pour le sillon nasogénien alors les gestes de, de gymnastique faciale, si vous voulez, je vais le montrer euh, strictement aux atendices du séminaire. <laughs> et, et pas juste montrer, on va le faire ensemble, mais tout ça, ça va être très fort. On va être dans nos peneurs, on va être au max. <laughs> mais il euh, n'y a pas un produit hein, spécifiquement. Hein. D'accord Il n'y euh, a pas un produit qui cible le sillon nasogénien, D'accord non. Si on parle de, 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 de skincare. Après, évidemment, si on parle d'injection, là, oui, et c'est l'acide hyaluronique. Mais euh, non, il n'y a pas un produit pour le cyanoazogénine. Si moi, je suis une ferme believer euh, du, du yoga facial, de la gymnastique faciale. Ayad lui-même, il hallucine. Il me dit, t'es allé voir quelqu'un d'autre Je lui dis non, jamais de la vie, je ne vais pas voir quelqu'un d'autre. Il m'a dit, mettons, je dis oui, moi je fais le yoga facial, c'est quasiment tous les jours, minimum, quatre fois semaine, minimum. C'est quasiment tous les jours. Donc oui, effectivement, Dieu bénisse, ça porte ses fruits. C'est vrai que là, je suis complètement... Euh, non, ça va. Dieu bénisse, on a un genou qui a protégé une exposition du cleavage. <laughs> voilà, c'est ça. Je, je ne peux malheureusement t'en dire davantage. Alors, what else Did day Event, que c'est ça Budget, fourchette ou à partir de médecine esthétique C'est une question à laquelle il est impossible de répondre. De quoi est-ce qu'on parle La médecine esthétique, c'est comme si je te disais budget, gastronomie. Bah, de quoi est-ce qu'on parle Entrée, plat, dessert, snack, euh, le discount, euh, luxe, étoile, de quoi on parle La médecine esthétique, de quoi est-ce qu'on parle Un acte de médecine esthétique, des injections, euh, l'intervention d'un appareil, de quoi est-ce qu'on parle Un simple soin, de quoi est-ce qu'on parle Je me contenterai de vous dire si c'est trop cheap, méfiez-vous. Si c'est trop cher, on vous vole c'est raisonnablement tarifé. Quand c'est fait sérieusement avec des gens sérieux, donc des médecins, ou en tous les cas dans des cabinets de médecine esthétique, c'est tarifé raisonnablement. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je faisais jusqu'alors, par exemple, chez l'esthéticienne, que je fais maintenant en cabinet de médecine esthétique, je paye moins cher chez le médecin esthétique, mais je paye genre 5 euros moins cher. Mais voilà. Mais quand c'est trop cheap, rien de qualité ne vient euh, à prix discounté. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, quand c'est trop cheap, méfiez-vous. Quand il est question de la médecine esthétique, n'allez pas vers le moins cher ou le. Allez vers le meilleur. Voilà. Et quand, si ce n'est pas dans votre budget, vous vous débrouillez pour faire ce que vous pouvez à la maison. Vous bricolez. Et on peut très, très bien bricoler à la maison. Maintenant, on a accès à toutes les technologies, euh, notamment des asiatiques, etc. Mais, euh, oui, c'est investir, c'est investir. Donc, une question, et après je vais reprendre quelque chose dans la box. C'est vrai que je n'ai pas choisi de prendre ma lunette. Zara Toussara. Coucou, hello Est-ce que ça filme Oui. Comment traiter l'acné hormonal sans passer par le traitement Roaccutane. Bisous. Ben, c'est pareil. Hein. L'acné hormonal, c'est une réaction cutanée qui traduit une inflammation. Il convient donc d'identifier la cause de l'inflammation. La source, la cause de l'inflammation. Donc c'est très compliqué, quelquefois c'est le truc auquel on n'avait pas du tout pensé, etc., etc. Mais oui, il faut identifier la cause. Roaccutane, c'est intense, c'est très intense, hein. très trop, c'est très intense. Donc euh, c'est l'un de ces cas, si vous voulez, où je trouve que le, la cure est pire que le mal. Parce que les boutons, c'est disgracieux, mais le ro Roaccutane, je ne vais pas dire le Roaccutane tue, mais le ro Roaccutane a tué. Hein. En fait, des gens sous Roaccutane sont morts, par exemple, malheureusement. Donc c'est vrai que là c'est quand même non c'est une inflammation quelle est la source de cette inflammation je l'ai dit donc il convient vraiment de, 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 de tout étudier l'hygiène le... alimentaire en premier rang en premier rang évidemment les produits laitiers le sucre le sucre c'est terrible ce que ça fait sur la peau hein. Sabrina as une belle peau ouais je mange jamais de sucre voilà euh, entre autres choses, mais je veux dire, ça compte. Si je commence à faire un écart, parce que c'est vrai que moi je suis un humain, quelquefois je fais des écarts. En été, j'ai fait des écarts, des écarts, même du sucre de bonne source. La pastèque, c'est du sucre, du bon sucre. Hein. Du bon sucre. C'est pas du Nutella, je veux dire, bon, d'accord Hop, ma peau, tout de suite, c'est tout de suite. Donc, les produits laitiers, le sucre, il y a des tonnes d'autres trucs. Ensuite, évidemment, les produits que vous appliquez sur votre peau, votre routine de soins. Mais les produits que vous utilisez également sur les cheveux, sur le corps, vous touchez votre visage. Attention à pas se toucher le visage en permanence. Est-ce que vos cheveux touchent votre visage Les lits, les le linge de lit, les têtes d'oreiller. Il y a des tonnes de choses qu'il faut euh, qu'il faut observer. Est-ce que vous prenez un traitement Est-ce que vous êtes sous pilule contraceptive Qu'est-ce qui se passe encore euh, il y a des tonnes de choses qui, qui conviennent. donc de, de, de. Faites une analyse de sang. Si vraiment vous avez tout fliqué, que vous... mais que vous y avez laissé le temps, il faut être patient. Parce qu'il faut procéder par élimination. Donc ça prend du temps. Mais si vraiment, en six mois, un an, on n'a pas de solution, allez trouver le médecin euh, dermatologue Faites des prises de sang. Et ben, ça... Voilà. Mais c'est vrai que l'acné, euh, ça va en. Chibi euh, oui avec Anissa. Anissa 1, 2, 3. Hello Anissa. C'est un de mes prêts préférés. Salem sista. Salem sista. Le sport aide-t-il à améliorer la qualité de la peau Absolument. Le sport aide à améliorer la qualité de la peau sur le corps entier. C'est-à-dire que le sport dans le sens strictement considéré comme la musculation, parce que l'épiderme repose sur le muscle, il y a l'os, il y a le gras, il y a le muscle, plus le muscle est tonique et plus ce qui se trouve au-dessus de lui est tendu. Quand vous considérez par exemple la problématique de la cellulite, vous commencez à faire un peu de sport, vous commencez à gainer, à tonifier un peu les muscles, tout de suite il y a un effet lissant. Ce n'est pas de la magie, c'est la science. Ça vaut également pour le visage. Ça vaut également pour le visage. La peau qui a l'air de. On hop, va hop, travailler un peu sur une mâchoire entre de... Et ça se. Donc oui, absolument. Avant de m'intéresser, moi, aux crèmes, aux huiles, ou je sais pas quoi, je m'intéresse à mon sport. Ensuite, c'est vrai que la peau, de manière générale, hein. moi, c'est vrai que j'ai 41 ans, c'est merveilleux, c'est trop merveilleux, moi, je kiffe, euh, je vous jure. Des fois, je suis là en contemplation, je me dis, c'est trop bien, <laughs> je vous jure. Quand je suis là, je regarde même sur le TikTok, elles sont là en train de vouloir lutter contre l'âge, c'est trop de la bombe. Bon, mais c'est vrai qu'on note des trucs. On note des changements, l'intérieur des cuisses, la peau du genou. Tu sais, la peau du genou, on commence à noter des trucs, l'intérieur du bras, euh, les choses, raison de plus. Même le, le chest, ici, là, tout ça, là. Ah Donc il faut, moi, mon premier réflexe, évidemment, moi, je fais de la radiofréquence, je fais des tonnes de trucs dans la médecine esthétique, tout, tout ce que j'utilise, mes routines, le brossage à sec. Ça contribue de la qualité de la peau, de la fermeté de la peau. La gymnastique, mais également la gymnastique dans le sens de pas simplement la musculation, mais également juste le sport. Le fait de faire un petit peu quelque chose de tonique. On fait bouger la lymphe, on fait bouger le sang, ça nourrit les cellules. Pensez aux dermes, à l'épiderme. Pensez aux couches successives de l'épiderme. Tout ça, ça a besoin d'être nourri. Votre alimentation, les bons gras. Tout ça, c'est. C'est cohérent, c est, c est, c est, ça fonctionne comme un tout. Le corps est un tout. D'accord Donc, l'alimentation, le sport, l'hydratation, les produits qu'on utilise, euh, même l'hygiène de vie de manière générale. Hein. La synthétisation de la vitamine D, le, tout ça, ça c'est un seul et même ensemble cohérent. Subhanallah, c'est la plus belle bécane qui existe. Il n'y a rien de plus performant que ça à condition de le comprendre et de le respecter et de le, de le chérir. Moi, je suis reconnaissante de mon body, pas dans le sens de l'esthétique, de, de la performance de mon body. Je suis reconnaissante, bien sûr, ça peut paraître à Rikrishna, mais devant Dieu, je jure, c'est vrai. <laughs> bon, après, c'est chacun quoi il. C'est vrai que plus elle vieillit, plus elle devient un petit peu bouddhiste, Sabrina. Non, je vous jure, je suis reconnaissante de mon corps, moi, depuis toujours. Donc, pour répondre à ta question, si as oui, absolument, le sport aide absolument à améliorer la qualité de la peau. On a même vu, si vous voulez, des cas extrêmes euh, à propos desquels moi-même j'étais euh, espantée, les grosses, 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 très importantes pertes pondérales ou si vous voulez, on est sur des, euh, des obésités morbides. Donc là, si vous voulez, la peau est distendue euh, à des degrés euh, extrêmement impressionnants. Et donc très généralement, il est question consécutivement à la perte pondérale, euh, quelle qu'en soit l'origine, généralement c'était l'anogastrique le, et les choses. Il y a tout cet excès de peau là. La seule réponse jusqu'alors, c'était la chirurgie, avec ce que ça comporte hein, de risques, de cicatrices, de douleurs, de post-opératoire et de bazar. Mais pour autant, avec des résultats extrêmement probants, très très beaux, propres. Ouin, ouin, ouin. Je ne sais pas si vous le connaissez lui là. Lui, c'est un des mecs que je respecte le plus au monde. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la caméra, elle est un petit peu. Si vous me voyez un petit peu coupé, décalé, euh, please excuse, hein, tout le monde a chaud. <laughs> bon. Lui, là, il est euh, littéralement l'homme le plus fort du monde. Allez vous intéresser un peu à son profil. Ben là, vous le voyez comme ça, il est très athlétique, très mince, très ferme et tonique et musclé. Il est plus ou moins dans les commandos, les marines, je sais pas quoi, combat. Wah, wah, wah. Il était gros. Il a développé une méthode, une routine, un régime euh, d'exercice qui permettent de retendre la peau. C'est-à-dire qu'il est passé, je sais pas si je vous montre un avant-après, mais allez voir l'avant et l'après. Il a, il a zéro, zéro chirurgie, sa peau s'est complètement remise à sa place. Donc ça, c'est le meilleur exemple que, oui, absolument, le sport impacte directement la qualité de la peau. Ça me fascine, moi, les, les, les exemples extrêmes comme ça. C'est très fascinant. Est-ce que vous avez le sound de Dapolis Oui. <laughs> Alors, chez swim. Belzem31, salut Tu t'es à Toulouse Coucou Massab, <laughs> quel est le meilleur shampoing sans sulfate selon toi ben, Je ne sais pas si on va pas répondre à cette question en ouvrant un nouveau produit de la box. Si vous voulez, moi je suis folle amoureuse de cette marque. C'est pas la seule marque dont je raffole. J'adore Olaplex. Je suis pas au courant de ce qui se passe aux États-Unis, mais je suis consciente qu'il y a une espèce de class action ou quelque chose aux États-Unis. Pour autant, moi, j'ai vérifié l'efficacité de cette gamme sur mes cheveux. Vous le savez, post greffe. Et je veux dire, je peux pas vous raconter des fables. Ceci n'est pas une perruque. <rire> <Bon>. <rire> vous assistez. Et encore, je coupe. Je l'ai dit. J'ai coupé régulièrement. J'ai coupé encore là il y a pas longtemps. Euh, sans sulfate, vegan, sans que le ceci que le voilà. J'adore cette gamme. Je les achète chez Look Fantastique. C'est vrai que d'habitude, c'est ça que j'avais oublié d'attraper tout à l'heure, d'habitude c'est eux que j'attrape. Je dis eux parce que ça c'est mon shampoing, ça c'est mon conditionneur. Les pompes. Maintenant, c'est vrai que si vous voulez, quand j'étais post-greffe, vraiment strictement, et avant de, de connaître la plex, parce que... Chronologiquement, ça a coïncidé. Euh, L'arrivée de la marque Olaplex pour nous, pauvres françaises, et ma grève, ça a été presque concomitant. Ça s'est passé presque au même moment. J'avais quand même euh, attrapé des trucs. Donc, si vous voulez, dans les shampoings, parce que je l'avais vu ta question, ça. Là, je vous dis la vérité, je les ai capturés. Vous voyez ou pas Bon. Euh, cette marque est très formidable. Nebiola. Non, Nebiolina. D'accord Nebiolina. Donc c'est vrai que ce sont des gens qui parlent plus ou moins en, en espagnol, enfin, dans d'autres langues. Ça c'est le shampoing. Shampoing doux aux protéines. Et ça c'est l'après-shampoing, le, le conditionneur. Ça c'est merveilleux. Donc éco-biocosmétique, euh, c'est très formidable. Vegan, Olaplex aussi est vegan. Et ça, c'est très, très, très merveilleux. Il y avait une autre marque très formidable sur mes cheveux. Ah bon, je fais des grandes bêtises. C'est ça qui est étonnant. Quittez pas cette marque. loup shampoing Shampooing pour les cheveux colorés, sans sulfate, sans silicone, enrichi d'extraits de cassis bio, 99% d'origine naturelle, fabriqué en Provence, Cocorico. Et l'Ubayo après shampoing, tout type de cheveux, un actif prébiotique sans silicone, enrichi aux huiles d'olive et de chanvre, 100% d'origine naturelle. Maintenant, je suis là, évidemment, j'adore la gamme Gros Gorgeous, etc., etc. Moi, je suis là, je vous propose ces produits. Les meilleurs soins capillaires, qu'il s'agisse du lavant, c'est-à-dire le shampoing, ou qu'il s'agisse du soin ou qu'il s'agisse du conditioning, ou du living, ou du que le que sais-je, rien n'est meilleur que le naturel. Dans le naturel, et même si moi, c'est vrai que je suis bintle bintle parce que je suis arabique, comme ça, il faut, faut... s'intéresser à ce que font les meilleurs. Les meilleurs dans la partie, c'est chacun voit midi, mais selon moi, ce sont les indiennes. Donc, intéressez-vous aux ingrédients, fabriquez-vous même vos produits. Il n'y a aucun, c'est comme pour l'alimentation, il n'y a aucun moyen, de, il n'y a, a aucun meilleur moyen de contrôler la qualité, le, le naturel d'un produit que de le fabriquer soi-même. C'est comme pour ce que l'on mange. Pourquoi est-ce que moi je, je, je cuisine 98% de ce que je mange C'est pour contrôler ce qu'il y a dedans. D'accord Parce que je suis au Et parce que j'ai le confort de pouvoir le faire. Je travaille depuis chez moi, hein. j'ai le confort de pouvoir le faire. Mais si vous, et ceux qui n'ont pas le confort de pouvoir le faire, ils misent le prêt et ils le font également. Donc après, c'est ce chacun va midi. Mais si vous voulez, ça vaut également pour les produits. Si vous voulez du 100% naturel, maintenant, le, le, c'est pour ça que je dis le greenwashing, ça coûte plus cher, parce que faites-le vous-même. Évidemment, en science, euh, si possible encadré en apprenant des meilleurs, etc. Mais là, pour la question du shampoing, intéressez-vous à ce que font les indiennes. C'est vrai que là il y a des, quand même des produits chez les animaux. Poudre, intéressez-vous à poudre de rita. Vous l'avez déjà entendu ça Bringarage. Poudre de bringarage. En plus à mousse. Donc faites-vous vous-même vos propres décoctions. Hein. Décoctions. Évidemment les huiles naturelles. Faites-vous même vos. Franchement. D'accord. C'est le meilleur moyen de s'assurer de ce qu'il y, y a. Zéro sulfate, vous savez ce que vous mettez dedans. Le gel d'aloe vera, le gel de laine. qu'on fait soi-même. Bien sûr. Surtout si vous avez les cheveux buclés. D'accord Pas comme moi, aujourd'hui. En <laughs> bas. Donc, poursuit euh, voilà, c'était vraiment Olaplex. L'intégralité de la gamme Olaplex est distribuée chez Look Fantastic. Profitez du code de famille. Donc, swim. Euh, Steph Iovino, coucou Sista. Sista, j'ai le contour de l'œil inconfortable, voire même douloureux quand j'applique mon soin spécifique et assez ah, en plusieurs parties. J'aime pas quand c'est en plusieurs parties les coquines. Mon soin spécifique et mon anti-cerne. Visuellement, il n'y a rien, j'ai tout essayé. Lancome, Filorga, Ordinary, Garlin, Help. Douloureux, Sista? Douloureux quoi au toucher, douloureux au cours de la journée, douloureux à binicio, douloureux qu'est-ce qui se passe Douloureux, qu'est-ce que ça veut dire douloureux Inconfortable ou douloureux Les deux apparemment. Le contour de l'œil, inconfortable voire même douloureux quand j'applique mon soin spécifique. Alors là Filorga parce que là tu, les marques que tu me cites là c'est Filorga c'est de bons produits. Hein. Euh, Laisse tout tomber. Intéresse-toi à l'eau de bleuée. Il n'y a rien de plus doux. Pour le contour de l'œil. Bio, euh, euh, pharmacie. Le calendula, le bleuet. Et tu me diras à quoi Sista Essaye même chez Kills, il y a un très très beaux produits à base de calendula, notamment le tonique où il y a vraiment les pétales dedans. Essaye de voir un peu ce que tu peux faire avec ça. Mais si c'est douloureux, va quand même voir un, un tout-bib. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça, douloureux, le contour de l'œil douloureux Je ne sais pas, le contour de l'œil douloureux, c'est ça Les problématiques habituelles, si vous voulez, pour le contour de l'œil, c'est la sécheresse. Et quoi, que, notamment, euh, le, la, la tenue du make-up, euh, l'antisane qui file dans les plis, euh, oui, wah, wah, wah. mais douloureux, je ne sais pas, douloureux, mais, ma assistante, ma On n'a pas un or gelé ou hein, quelque part, c'est pas une problématique de l'œil, c'est douloureux sur les deux yeux Je ne sais pas. Il faut investiguer euh, cette problématique. Je ne sais pas. Mais euh, oui, euh, l'eau de bleuet retourne au naturel, vraiment le naturel. Bien donc, chibi Emily, coucou Sista, hello! Comment tu intègres ton massage facial par rapport aux routines de soins? Comment j'intègre mon massage facial par rapport à mes routines de soins? Alors, si je comprends bien la question, généralement, enfin, ce pas généralement, c'est quasi systématiquement, moi, le massage facial, c'est le matin. C'est vraiment exceptionnel si je ne le fais pas le matin, je le fais le soir. Mais je préfère le matin. Parce que si je le fais le soir, ça empiète sur mon timing du yoga. Ben ça, ça ne t'intéresse pas. <laughs> le matin, avant toute chose. Avant toute chose Donc, ouais. généralement, je fais mon yoga facial, je prends le temps, extra, Je draine, et ensuite, je vais prendre ma douche, et ensuite, je pose ma routine de soins. Mais quand vraiment, je n'ai pas le temps, je fais le yoga facial, la gymnastique faciale, pendant l'application de ma routine de soins. Mon sérum, ma crème, mon contour de l'œil, euh, c'est évidemment moins intense, c'est moins complet et moins, euh, hein, mais au moins je l'ai pas complètement skippé. Donc généralement pour répondre à ta question, c'est avant, mais quand vraiment euh, la nécessité l'impose, c'est en même temps, les deux en même temps. C'est pour ça que ceux qui disent ah n'ai pas le temps, hein, ça prend deux minutes, hein. même sans quoi ça, juste avec vos doigts. Euh, Apprenez les bons gestes et faites-en un réflexe. Moi, j'applique pas une crème comme ça, je l'applique toujours, j'ai mes réflexes. D'accord Donc, euh, je suis bien suis Marmotte ma Marmotte Je te retrouve bientôt, ma poupée Bah toi, tu vas tout voir là, le massage facial et tout. Hein. C'est ma assistant qui vient au séminaire. <laughs> je vous ai fait une annonce. Donc, si vous ne regardez pas les stories, vous avez loupé les annonces. Il est peut-être au moment où je vous parle, je ne sais pas. Mais il n'est peut-être pas complètement trop tard pour rejoindre l'aventure folle du séminaire. Il y a un highlight permanent sur mon Instagram. Hello, Sab, hello. Une crème de jour légère. Ma peau ne respire pas. Transpiration. Pleine de bisous. Alors, déjà, ça, si je te rassure, ta peau respire. <laughs> il y a des pores. C'est leur job. Euh, maintenant, si tu veux quelque chose de léger par rapport à l'hydratation ou euh, diurne, c'est pas aux crèmes qu'il faut que tu t'intéresses, c'est au gel. Il existe une texture pour tous les besoins et tous les âges. Quelquefois, ce n'est pas quelquefois, c'est maintenant bien souvent, chez une seule et même marque, pour un seul, un seul et même produit, il est décliné dans, tout, dans toutes les, les consistances. Prenez par exemple chez Kiehl's, je dis au hasard, la Ultra Facial. Elle existe en gel, elle existe en crème, elle existe en crème dense, c'est le, le masque. Ça vaut chez Filorga, ça vaut chez les Asiatiques, ça vaut même pour les protections UV, ça vaut pour tout. Intéresse-toi au gel. Mais vraiment il y a une crème qui, qui est une crème mais qui répond quand même à cette définition presque du gel. Chez Corès moi je l'ai toujours adoré cette crème. Corès la crème à la grenade elle ça a été, pour moi ça a été très 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 longtemps un must. Mais vraiment 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 je t'encourage à t'intéresser au gel. Ils apportent le même pouvoir d'hydratation, mais ils disparaissent dans la peau. C'est super frais, super léger. Mais ça apporte cette hydratation, ensemble avec tous les actifs qui sont intéressants dans la formule. Les gels, c'est ça. Mais donc, Chiborsu, je prends une question et ensuite je prendrai quelque chose dans la boîte. Binouche. Binouche76, hello, ça n'a pas mis W, c'est hello, hello <laughs> sister. Quel produit utilises-tu pour le coup slash décolleté Merci. Alors c'est vrai que moi, vous le savez, je n'en ai jamais fait mystère, je suis de celles qui vous saoulent avec l'importance de prendre soin de votre cou depuis tout ce temps. Je n'ai pas attendu d'avoir 40 ans pour m'y intéresser. Donc évidemment, je suis de la... moi je suis de l'école, il n'est jamais trop tard pour commencer, mais je suis également de l'école de le plus tôt et le mieux, d'accord Il est plus intéressant, en fait, il est plus efficace de prévenir le dégât, le dommage, que d'essayer de le guérir une fois qu'il est là, hein, lorsqu'on considère strictement le skincare, d'accord Alors si vous voulez, par rapport au coût, moi je fais beaucoup de choses, <laughs> là j'avais l'air crazy, premièrement, depuis toutes ces années, et encore aujourd'hui, neck chez Niod, lui. N'est Elasticity, il est efficace. De toute façon, niode, c'est. niode, c'est iordinari, sous stéroïde. Niode, c'est supérieurement efficace. Il y a des produits chez niode desquels je ne, me dé, je, ne me, je ne me séparerai jamais. Alors que vous le savez, moi, j'investis les sous, je fais les choses, je vais à l'Andan, je sais que, que font les Américains, les Américains que font les Asiatiques. Oui, non, en Dansean, mon contour de l'œil, c'est le fec. Mon soin du cou, c'est le nec. Ce sont des produits supérieurement efficaces. J'aime la texture, c'est une espèce de gel comme ça. Hein Il est très formidable. Ensuite, si vous voulez, par rapport au décolletage, le, le décolletage, moi, j'utilise le rétinol. Hein. Donc, généralement, elle, là, elle était censée disparaître, mais on arrive encore à l'attraper. Donc, non plus chez NIOD, mais toujours chez DCM, chez euh, The Chemistry Brand, qui a plus ou moins disparu, mais on arrive encore à l'attraper. Là, ça devient un peu compliqué, mais moi, j'ai des backups pour une vie. Ils sont à l'abri de la lumière, etc. Je vous avais prévenu. Euh, mais il y, y a des équivalents. Chez Darphin, il y a une très belle huile au rétinol. Chez Dermalogica, il y a une très belle huile au rétinol. Moi, j'utilise le rétinol euh, sur le chest. Hein. Mais le, le truc le plus... En termes de, de science, on va dire, ce que je fais, c'est la radiofréquence. radiofréquence et évidemment le sport le sport le brossage à sec mais le sport mais le cou euh, et le décolleté c'est super important hein, parce que le décolleté ça, ça englobe une clavicule une épaule moi c'est ma partie préférée du corps euh, chez la femme j'aime hein, une cambrure un dos j'aime un hein, J'aime des tonnes de choses. J'aime le creux d'un genou. J'aime des tonnes de choses. Je trouve qu'on est parfaite. Oh on est on est magnifique, bon, dans tous les sens du Mais c'est vrai que moi, ma, ma ça, c'est ma zone préférée. Vous le savez, bon. Donc évidemment, j'en prends soin. C'est visible. Et de toute façon, même si c'était pas visible, c'est pour moi d'accord quand on commence à avoir mon âge si vous voulez vous les jeunes vous n'êtes pas au quoi let me tell you <laughs> tu commences à et c'est vrai que moi je dors principalement en position fœtale tu commences à voir si tu relâches un peu ta routine ou tes efforts tu commences à voir que le pli du matin il met du temps à, ça met du temps à se défroisser j'ai touché le micro please excuse tu commences tu commences à le noter d'accord donc, oui, il faut être extrêmement proactif. Donc, le neck chez Niode, les huiles rétinol, la radiofréquence, le brossage à sec, le hooking, parce que là, qui est ça Celles qui savent, savent ça, ça participe euh, de notre qualité de peau, hein, nous autres les Arabes. <laughs> Et les huiles dans tous les azimuts, tout ça, tout ça. L'alimentation, toujours les bons gras. Les Oméga tous, les 369. D'accord Vous avez vu le post que je viens de vous adresser sur le blog ma bah ça. Hein. Donc, chibi euh, aussi Avant de prendre une autre question, je vais attraper quelque chose dans la boîte. C'est peut-être le truc à propos duquel je suis la plus excitée. Oh, ma zette, ne quittez pas en l'air. Il est si beau et croyant! Les filles et les garçons, c'est vrai que là, je me suis quand même acheté un petit frigo de beauté. Parce que c'est vrai que j'en avais un back in the day. Je l'avais reçu, c'était une opération L'Oréal Luxe. Il nous avait adressé carrément un frigo, un mini frigo. La marque c'était Clarstein. C'est comme ça que j'ai découvert cette marque. Et après j'ai découvert des tonnes de trucs chez cette marque. C'était lui le frigo, vous vous souvenez ou pas Il est génial. Je l'ai donné pourquoi Parce que je le gardais dans mon, mon espace beauté slash bureau slash studio slash lieu de travail qui est à côté de ma chambre. Et la nuit il était bruyant. Donc je m'en suis séparée. Je l'ai offert. Et il est parfait pour la personne qui l'a réceptionné. Mais du coup, je mettais mes produits de beauté dans le frigo. Et moi, il y a des tonnes de trucs que je mets au frigo. Les patchs pour le contour de l'œil, mes masques froids, les... Et je ne veux plus les avoir dans mon frigo alimentaire. Donc, j'ai décidé de m'attraper un nouveau frigo de beauté. Et donc, j'en ai comparé des tonnes. Et pour moi, esthétiquement, en termes de taille et en termes de bien mignon d'esthétique, parce que ça compte, hein, c'est chez Look Fantastic que je l'ai trouvé. 4 litres le réfrigérateur de beauté Style Pro, Style Pro de 4 litres garde tous vos produits essentiels au frais, au frais et prêt à être utilisé au quotidien. Des crèmes de nuit, au vernis à ongles, tous vos produits de beauté peuvent désormais rester au frais dans notre Beauty Fridge. Les produits ne gèleront pas grâce à notre protection intégrée contre les basses températures qui maintiennent l'intérieur au-dessus de 2 degrés. Ah, bien sûr. Les produits de beauté réfrigérés prolongent la durée de conservation et empêchent la croissance bactérienne. Non, il a l'air trop bien mignon. Il est trop bien mignon. Oh, il est trop bien mignon. Regardez comme il est si mignon. Vous voyez comme il est si mignon ou pas Elle est où la porte il est bien mignon, Rose Gold. Bien mignon. Tu peux voir l'intérieur Il est bien mignon. Il est trop mignon. <laughs> tu vas voir que les, les nièces et les neveux, ils vont l'attaquer. Ils vont il lit comme <laughs> Ça c'est sûr. Il y a la prise, il la chambre. Il est bien mignon. Donc voilà, une pépite que j'ai attrapée chez Look Fantastique. Quand je vous dis que leur catalogue, il est crazy. Et dans ma souvenance, il n'était pas très cher. Donc, je vous remets le code à l'écran, les filles et les garçons. Parce que vous êtes nombreuses à m'interroger. Sabrina, les frigos, les frigos. Ben, il y avait le Clarstein que j'avais eu la chance, moi, je vous l'ai dit, mais il était déjà plus gros. Hein. Il était plus gros et surtout, surtout, je l'ai dit, il était bruyant. Lui, il est mignon, je vais le caser dans un coin là-bas. Tu vas voir que ça va être très sympa. Donc, voici pour euh, <laughs> cette pépite. Et Chibio suit avec vos questions. Alors, Chibi poursuit avec vos questions. Kevin, hello, mon brother! <laughs> Kevin qui pose les meilleures questions. Pour ceux qui est des, des, euh, des vidéos euh, Bibi Potin, hein, les meilleures questions, franchement, props to you, mon brother, c'est toi. Je préfère te dire une chose. Il me semble que tu ne m'as jamais vraiment confirmé que tu étais un brother. Mais basé sur le prénom, j'ai envie de dire que oui. Kevin te me demande donc <laughs> Que penses-tu de la tendance des huiles à lèvres? tendance dans le sens de nouveauté, ce n'est pas du tout une tendance, ce n'est pas du tout nouveau je veux dire. Moi j'aime les huiles de... pour les lèvres, mais par contre elles ne se valent pas toutes. Parce que ça peut paraître étonnant, mais je vous jure que c'est vrai, il y a pléthore de marques, même des marques un peu de prestige, etc., chères, etc., où le produit dessèche, dessèche en fait les lèvres. Ce qui paraît complètement contradictoire considérant le fait qu'il s'agisse d'une huile, mais je vous prie de me croire. Moi, j'ai déjà utilisé des produits qui m'ont fait, des huiles qui m'ont fait gercer les lèvres. Et moi, je ne souffre pas de, 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 de déshydratation, je bois en permanence et je bois intelligemment. Les attendices du séminaire vont bientôt le comprendre. Mais euh, donc, ça existe depuis toujours. Mais par contre, ce n'est pas, pas qui qui veut qui peut. Moi, j'ai mes préférences. Et c'est vrai que mes préférences, j'aime infiniment, honnêtement. C'est une des toutes premières que j'ai euh, utilisées. Euh, et qui existe depuis des années, des années. J'étais jeune à l'époque. <laughs> je vous jure, j'étais dans ma vingtaine, je vous jure de, 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 vraiment. Je voulais partager il y a très longtemps. C'était un des tout premiers partages de The French Way. Oui. Clarence. Honey, euh, miel, elle ah, là C'est une des meilleures sur le marché, je ne veux pas savoir. Et puis à ma connaissance, ils ont développé euh, la gamme. Il y a maintenant une tonne de teintes, du framboise, des choses. Clarence, pour moi, c'est la meilleure. Parce qu'il faut, en termes de confort, de tenue, de rendu, il faut un espèce d'équilibre entre une consistance grasse et en même temps une consistance sticky, mais pas trop, qui soit pas non plus un gloss, qui reste sur le confort d'une huile, mais qui ait quand même cette tenue. Donc c'est très... C'est pour ça que je dis, c'est pas qui qui veut qui peut. Ne peut pas qui veut. D'accord Et c'est pour ça qu'il y a des tonnes d'échecs, même chez de très très belles marques. Mais euh, oui, ce n'est pas du tout nouveau. Hein. Tendance dans le sens de. Ça, revient, ça devient tendance Je ne sais pas. Euh, donc, Chibi euh, swim. Shy and the city. Hello <laughs> Bonjour Sabrina. Que penses-tu de la gamme skincare de Chanel Masque, crème, gel. Merci. Masque, crème, merci. Alors. Il y a certaines marques de luxe où, franchement, je vous le dis entre nous, et ça, ça, ça pique parce qu'on est français, on n'est pas là pour euh, tirer sur l'ambulance. <laughs> What? <laughs> Moi, je suis chauvin to the core. Quand on a des trucs dans lesquels on excelle, je dis oui, represent, represent, d'accord? Mais il y a des tonnes de marques de très, très grand luxe où, très honnêtement, leur skin care, c'est bullshit, ça ne vaut pas du tout le prix. Disons les choses, d'accord? En revanche, pour ce qui est de maison Chanel, c'est très grave. Il y a notamment cette gamme Le Lift. Tout est excellent. Excellent. Donc il y a beaucoup de ma connaissance du skincare chez Chanel qui est basée sur de simples échantillons. Parce que considérant le coût, c'est excessivement cher. Parce que là, on paye et la marque et la technologie, donc la RD. Et le packaging, et le, le prestige. Donc, c'est vraiment très cher. Mais il y a eu cette crème, il y avait cette crème-là, que j'avais eu en cadeau. J'ai eu la chance de la recevoir en cadeau, de quelqu'un qui a beau goût. <laughs> très étonnamment, pour un mâle, mais ça, c'est autre chose. <laughs> et donc, j'ai utilisé le pot entier. Et je me suis dit, mais Mazette, c'est pas possible. Tout. Tout, tout. Le packaging, la boîte, le, la texture, l'odeur, l'expérience le, du produit, les, le, le rendu, les effets, l'efficacité. La gamme Le Lift chez Chanel, c'est très grave. C'est très grave. D'accord Donc, si vous êtes limité, au niveau du budget, Chanel, allez-y foncer. Oui, oui, absolument. Surtout si vous êtes euh, vieillissante, hein, comme moi. <laughs> mais je l'ai dit, le plus tôt est le mieux. Mais c'est vrai que, ouais, Chanel, euh, ouais, ouais, c'est. Pour répondre à ta question, si ça, je n'en pense que le plus grand bien. Ce n'est pas le cas de toutes les grandes marques de prestige françaises ou à dénomination à consonance française, francophone. Euh, mais Chanel, oui, absolument. Mais je l'ai dit, je ne connais pas tout, d'accord Mais j'adore leur coton, ça n'a rien à voir, mais ça a un peu à voir, j'achète les cotons. Et j'adore euh, la gamme Le Lift chez eux. Okay. Mais donc, au euh, Swim. Margot, MB, coucou sista. Sans le Z, je suis une, je suis beaucoup de choses, mais je suis une personne. <laughs> je suis plusieurs bibises, mais une seule Sista. <laughs> que conseilles-tu pour les tâches dues à l'acné qui durent depuis des années Tu es au top. Une cicatrice d'acné qui dure des années et des années, c'est rare, mais ça existe. C'est vraiment un cas spécifique d'hyperpigmentation. Sista, c'est le laser. Allez trouver le médecin esthétique ou l'esthéticienne, les cabinets un peu sérieux, le laser. Mais assure-toi qu'il ne s'agisse pas d'une tâche de soleil. Assure-toi qu'il ne s'agisse pas non plus d'un mélasma, une tâche qui persiste comme ça longtemps. Est-ce qu'elle se développe Va voir ton dermatologue, ton médecin. Mais euh, oui, le laser, il est, il est déraisonnable. Il y a des tonnes de produits super vraiment efficaces, l'hydroquinone, l'acide cogique, les acides lactiques bien formulés. Euh, ouah, 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 ouah. Mais n'attendez pas des miracles des produits dépigmentants. Hein. Quand vraiment une hyperpigmentation est vraiment très... C'est en fonction de sa profondeur euh... le laser. D'accord Je me tiens mal, c'est parce que je, je ploie euh, sous la chaleur. Hein. Okay. Psycho 3, j'avais vu ta question, Sista. Hello, beauté, hello, Sista. Un dupe du crayon à lèvres Jordana, celui que tu utilisais depuis des années. Ah bah, tu vas pas me croire. Mais si tu me connais un petit peu, normalement, tu vas me croire. <laughs> tu n'auras pas de mal à me croire. J'ai encore des backups. Donc, le Rock'n'Rose chez Jordana, qui est un exemple de plus, si besoin était, que je suis vraiment touchée par cette malédiction des produits, des pépites qui sont discontinués. Je ne comprends pas pourquoi ils l'ont arrêté. Euh, donc, pendant longtemps, je l'ai remplacé par 7 pépites absolues chez Nabla. Ensuite, 7 pépites absolues chez Milani. Milani propose de très, très beaux euh, lip liners. Et depuis quelques temps, je ne vous les partage pas nécessairement, euh, mais euh, j'utilise, moi, le maquillage Colourpop. Ils ont de très belles choses. Donc, ce crayon-là, chez eux, je l'aime beaucoup. Donc, euh, Lipi Pencil. D'accord C'est la teinte BFF. C'est lui que j'ai là. Je ne sais pas si vous voyez. J'aime parce que ça fait vraiment, au même titre que le rose de Jordana, ça fait vraiment « my lips but better ». Ça fait naturel. Je ne sais pas comment vous le voyez, mais dans la vraie vie, ça fait vraiment naturel, d'accord Donc, euh, Nabla, Nabla cosmétique qui offre de, de, des pépites hein, dans la gamme. Hein. Les bronzers, les... il ouais, y a des choses. Euh... Milani. Color pop, mais c'est vrai, Jordana. Rendez-nous la pépite, c'est pas possible, c'est pas très sympa. Choucou Pops, coucou. Hello, sister. Astuce pour les lèvres très gercées. Je suis toquée de déchirer les peaux mortes jusqu'à saigner. Ah oh là là, Sista, non, c'est terrible. Après, qu'est-ce que tu fais Tu à manger et tout Non, ça ne va pas. Non, ça ne va pas, Sista. Deux choses très simples. La première, une vieille brosse à dents propre, mais une vieille brosse à dents avec les poils un petit peu déjà usés. Quand votre brosse à dents est prête à être jetée, même si c'est juste la tête de votre euh, Sonicaire, ne la jetez pas, gardez-la. Rincez-la au très très chaud de voir tremper là dans l'eau bouillante un petit peu, qu'elle soit propre. Et vous gommez vos lèvres avec votre euh, brosse à dents. Vous gommez vos lèvres. Deuxième astuce concomitante ou en lieu et place de ce que je viens de vous indiquer, un gommage à base de sucre et d'huile d'olive. Vous prenez de, 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 du sucre, de l'huile d'olive et vous, vous, vous faites un gommage. Il y a des gommages tout près qui sont très merveilleux, Cosarex, à ce trio de la vie que je vous avais déjà partagé. Je vous remets. Je vous indique tout ce que je mentionne dans la barre d'infos. Ça va être une barre d'infos de ouf. Mais on ne, on ne déchire pas les peaux, Sista. Qu'est-ce que c'est que ça pour un grand bazar La peau des lèvres, elle est extrêmement sensible. On ne fait pas les gerçures, Comment Non Non, Sista D'accord Mais ça, c'est la conséquence du mal. Détermine-en la cause. Pourquoi tu gères tu Ça, c'est tu es déshydraté. Tu es déshydraté. C'est ça qui ne va pas. Tu es déshydraté, c'est ça. Donc, hydratation en interne. Les fluides, on boit. Hydratation en externe, on pose un quelque chose. Un beurre de karité, un quelque chose. Un baume encore Qu'est-ce que c'est que ça jusqu'à saigner ça ne va pas si ça n'est pas bon What' ça ne va pas ça me fait mal au Pouvez-vous te dire une chose je souffre pour toi ça ne va pas. Généralement c'est un truc qu'on voit sur les mecs parce qu'ils sont ils, ils, ils étaient ils ne le sont plus négligés, ils sont pas maintenant non ils ont les labellos dans la poche et tout ils savent. La belle la belle a des lèvres de velours. Mais ça, c'est autre chose. Et bien, donc, Chibi aussi. Hello, une alternative. About. T'as changé ton pseudo, ça Il n'y avait pas le hello au départ. Mais toi et moi, on sait que tu es Elodie, non bah, bah, Pour revenir à la m'attendre. Uh, hello, elle a très bien écrit hello. C'est exactement le relais originel de Miranda. Parce que vous le savez, ça vient de Miranda, tout ça au départ. Hein. Bon. <laughs> Maintenant, c'est devenu un truc. Je vous jure, des fois, il y a des haters qui m'envoient. C'est quoi cette introduction C'est quoi qu'il avait dit, le monsieur C'est dans un français extrêmement littéraire. Et ensuite, je l'ai revu dans des trucs de TikTok. J'ai dit Ah, c'est une vraie expression qui existe. Il m'avait il écrit Qu'est-ce que c'est que cette intro éclatée au sol <laughs> Je vous jure, j'ai dit, alors attendez, il se passe un truc, je suis allée chercher mes lunettes de vue et tout. J'étais comme ça, comme une, vraiment comme une vieille. <laughs> j'ai dit, dit est-ce que je lis bien là Éclater au sol. J'ai dit, mon Dieu, mais c'est une nouvelle expression de la jeunesse. Et après, c'est vrai que je l'ai entendu ça et là. Donc, éclater au sol, ça veut dire vraiment, vraiment naze. Je ne sais pas, pourri. <laughs> Parce que les gens qui ne savent pas, évidemment, ils entendent, ils disent, elle est tarée cette meuf. Hein. Ils ne savent pas qu'en fait, ce qu'on fait, c'est supérieurement quali et très sérieux. Oui, Enrichissant, tout ça, tout ça. <laughs> Donc, c'est vrai que par rapport à la question, quelle est-elle Une alternative au gel conducteur pour le new face. L'aloe vera, non, il est trop à euh, queue Parce que c'est vraiment là, que tu l'indiques, si c'est dans ta question. Il est question de conduire euh, l'électricité, concrètement, hein. Et c'est vrai que New Face c'est très sympa et sympa surtout si tu as été euh, aux aguets cet été que tu as profité de mon code de 50% sur la totalité de la gamme New Face, c'était le moment où je vous les avais attachés les pompes hein. parce que qu'il s'agisse du gel ou qu'il s'agisse de la crème, les deux arrivent en pompe. Donc là il était question d'attraper les pompes. Mais l'un dans l'autre, quel que soit le format considéré, ça s'épuise et c'est vrai qu'ils sont chers. Figure-toi que c'est une nana formidable, à l'intérieur du Selfridges à Londres, Oxford Street donc Selfridges, euh, chez laquelle je, qui travaille chez Face Gym. Vous savez que moi quand je vais à Londres, je me fais un kiff, je, je vais faire le massage facial et tout ça chez Face Gym, c'est les les meilleurs. Hein. Et euh, elle m'a proposé cette alternative, donc ne, ne quittez pas, je vais vous la chercher. Ça m'a coûté 3 francs 6 sous et c'est la grosse pompe des familles. Et le gel, il est presque meilleur. Ou en tous les cas, aussi bon que l'originel de chez New Face, ne quittez pas. Nous, on est là pour les bons plans des familles. En plus, la nana elle-même, elle était super. Euh, elle m'a dit oh, « You are amazing !» Je lui ai dit « So are you !» On est devenus les BFF en deux minutes. <laughs> J'aimerais trop la revoir Voilà, parce que je préfère vous dire une chose. Madame la princesse, là, à chaque fois que je passe, elle n'est pas contente. Hein elle boude. Tu es bien mignonne ou pas, Mammy Voilà, elle m'a donné beaucoup de petites. Voilà. Donc la marque, c'est strictly professional non-surgical non facelift gel. With collagène. C'est fait pour un micro-courant, électrode, nanana. Donc ça, c'est très formidable. Elle me l'a recommandé. Elle était vraiment sympa. Alors qu'elle-même, elle travaille chez Face Gym. Face Gym, ils vendent évidemment les... Euh... Moi, je l'ai, leur machine d'électro-stimulation Face Gym. Je vous déjà partagée. Qui m'a coûté une fortune. Elle est chez Look Fantastic. Ça coûte 600 euros. 500 euros. Mais franchement, pour moi, c'est la meilleure. Moi, j'ai les et j'ai la chance de les avoir toutes celles-là. C'est vraiment, c'est vraiment, vraiment la meilleure. Le courant envoie, extra, c'est vraiment la meilleure. Mais c'est vrai que elle, euh, Face Gym vend évidemment les produits conducteurs. Elle a été vraiment sympa. Elle n'était pas censée me donner ce conseil, mais elle a été vraiment sympa. C'était vraiment, vraiment super. Je vous jure, vraiment, j'aimerais bien la revoir. Donc, c'est Lucista. Je te mets le lien dans la barre d'infos. Il me semble que je l'attrapais sur Amazon, mais rien n'est moins sûr, mais je t'attacherai je le lien que j'ai moi-même à, à, à utiliser pour l'acheter. Parce qu'il était vraiment peu cher, il est vite arrivé, il n'y avait pas les douanes, il n'y avait pas tous les bazars. D'accord Donc, suis. Euh, avant de prendre une autre question, qu'est-ce qu'on a dans la boîte Alors là, si vous voulez. Les membres savent. Ben vous, vous allez maintenant savoir. <laughs> Courez chez Look Fantastique, pour les attraper. C'est l'une des plus belles découvertes de mon été. Vous le savez, eux-là, eux-là, ce sont déjà les deuxièmes spécimens. Eux-là, ce sont les deuxièmes, et ils sont plus qu'entamés. Mais ben là, j'ai attrapé les mamans, les mamans taille, Les mamans, les mamans bouteilles, vous voyez la différence ou pas Kodali. Mathilde le salue toujours huile de soin Donc celle-ci, c'est lissage et cheveux corps cheveux et décolleté huile précieuse figue de barbarie. L'odeur est incroyable. L'odeur est incroyable, l'odeur est incroyable. Lui, il est de très très belle qualité, la texture, le, le rendu sur la peau, le fini, le confort. On est bien, on, on se félicite d'être là et d'être heureux et en vie, d'accord <laughs> Il y a un cheveu qui m'embête là, voilà. Elle est merveilleuse, elle, elle est plus et c'est vraiment la, la figue. On sent vraiment la figue. On, on sent la figue. Ici, on sent davantage pas le monoï, mais cette histoire-là, tout ce contexte de fleurs, de tiare, etc. Il y en a pas. Hein. Mais ça sent vraiment l'été. Donc là, on est argan, figue et karité. Et là, c'est vraiment l'été. Ça sent vraiment à la fleur de Thierry. D'accord Mais de luxe à la française. Parce que c'est Caudalie. Et je suis allée m'attraper chez Look Fantastique. Les mamans bouteilles. Parce que les premiers exemplaires, c'était aussi les bébés bouteilles. J'utilise partout, comme, comme indiqué, cheveux, corps, décolletage, tout. J'utilise beaucoup le soir au coucher, après la douche. Je suis là, je me tartine le bidou et tout. Je vous jure, c'est merveilleux. Ça, c'est très, très merveilleux. C'est marrant, il y a les anti-vols des oui. Mais alors, ça, les filles et les garçons hein, couraient sur ces produits. Je suis folle amoureuse. J'espère de tout cœur, mais au cas où, je vais quand même faire les backups. J'espère de tout cœur qu'il n'est pas question d'une édition limitée, je sais pas quoi, que l'année prochaine, ils vont nous sortir de nouveau, des nouveautés. Auquel cas, je suis réceptive, j'aime une nouveauté. Mais eux, eux, il faut qu'ils restent dans la gamme. J'espère de tout cœur qu'ils sont permanents chez Kodali. Parce que quand je vous dis, j'avais intitulé cette vidéo Les pépites, euh, découvertes les pépites de mon été réellement, ce sont des pépites de mon été. Hein. J'ai laissé tomber Nuxe pour elle. Et Nuxe, elle est dans ma vie depuis uh, forever. C'est grave. Donc, Caudalie. Les huiles de soins chez Caudalie. Même on voit les Américaines qui étaient en vacances à Paris cet été qui disent « Regardez ce que j'ai ramené de Paris. » Elles ont ramené ça de Paris. You don't understand. You don't understand même la la, la consistance de l'huile. Elle est elle c'est pas une huile sèche mais c'est pas une genre une huile grasse te... C'est un médium entre les deux, ce produit vraiment relève du génie. Bravo, félicitations Kodali là vous vous êtes euh, vous vous êtes surpassé. Euh, vraiment félicitations. D'accord. Tu sais pas, Codali, puisque j'ai votre attention là. From love, from Bordeaux with love. Vous vous souvenez, from Bordeaux with love. Euh, Sortez-nous les eaux fraîches là, parce que Codali, ils sortent les eaux fraîches des familles. T'es des vignes. Euh, ouais, ouais. Sortez-nous ça. Peut-être que ça existe déjà, non Je ne sais pas, je vais aller vérifier. Mais elle, en tout cas, les filles, et les garçons, il faut vraiment les attraper. Mais donc, je les ai chez Look fantastique Je vous remets le code à, à l'écran, les filles et les garçons. Et tout le détail de ce que j'ai mentionné dans la barre d'infos. D'accord Donc, Chibon euh, suit avec une de vos questions. Ah, c'est marrant Amrazi me dit, routine pour avoir une belle peau satinée, huile parfumée, mauvaise idée. Ben non, très bonne idée, mais ça. Mais pas parfumée, ce sont des vraies huiles. D'accord Huile de soin soleil des vignes. Corps vergeture, stretch marks. D'accord. Donc, she or swim. Oh, archange. I love you too, baby. T'es bien méné, mais... non, non? Romantique. T'es un sentimental. Moi aussi, je vous aime si ça, tu le sais. Le hub est franchement. Le hub est le tout d'accord. Donc, je me tiens mal, je m'en rends compte. Anissa, une autre Anissa. Ah, c'est peut-être la même Anissa, je ne sais pas. Existe-t-il une routine express, le minimum selon toi Bibiz. Oui, absolument. Routine express. À l'ancienne. Nettoyage, un sérum, Une protection UV, basta, out the door, comme ils disent. Après, évidemment, sans y perdre, sans y laisser des plumes, si vous voulez, les soins les plus complets possibles, c'est-à-dire le sérum, il est des sérums complets. Par exemple, une vitamine C qui est travaillée ensemble avec un, un, un ferulique, où il y a quand même quelque chose de hyaluronique. Ou que ceci, que voilà, un sérum complet, une protection UV, on suit avec une protection UV. Et n'ayez pas peur de remonter sur le contour de l'œil. Ce n'est pas fait pour, mais ça marche quand même, d'accord euh, Une protection UV qui est extrêmement hydratante. Donc, c'est ma crème de jour et en même temps, c'est ma protection UV. Out the door, en 5 minutes. Il y a des gens qui détestent ça il y a des gens qui n'ont pas le confort, le temps. Mais ça veut pas dire sortir comme ça euh, à poil. <laughs> non. Routine minimaliste. Et, et, et bis répétita le soir. Nettoyage. Un actif. Donc là, je préconise plutôt le rétinol. Ou un rétinoïde. Une crème. Euh, voilà, masque de nuit. Crème de... Euh, ou une huile. Et basta. Vous vous souvenez pas? Nos grands-mères, etc. Qu'est-ce que tu es? Nivea. Bon, il se trouve que le produit est là que je viens de citer, malheureusement, il est désormais démontré que c'est catastrophique. Ça, c'est autre chose. Mais elles avaient des pots extraordinaires. Ouais, Donc, euh... Chibio Swim. SVI1988. Hello Sabrina Cocosista. Quid du soin hydrafacial Les résultats sur ta peau. Ben, L'hydrafacial, si vous voulez, c'est merveilleux. Parce que si vous voulez, quand je fais mon soin hydrafacial, il y a ce quelque chose, ça relève, je pense, davantage de Bibi Monk. Que de Bibi beauté. Le fait de voir dans cette euh, fiole là tout le l'hermège quelque part qui a été extrait de ma peau de le voir dans la bouteille là, moi ça, ça m'apporte je vous le je vous le dis là dans les yeux hein, du bonheur, un sentiment de satisfaction ultime. Je lâche. Alors que je suis pas du tout négligente sur mon double cleansing, je suis pas du tout né négligente sur euh, l'exfoliation, je suis pas du tout négligente sur le hooking, je suis pas du tout négligente sur les. Moi, je ne suis pas comme ça en train de orner en permanence avec des cellules mortes en, 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 en surface. Non, je suis proactive, je n'agresse rien, mais je veux dire, je suis très régulière dans mes routines le désincrustage, les choses. Malgré tout, je fais un hydra J'ai l'impression qu'il y avait toute la crasse du monde sur ma boubine. parce qu'on le voit dans la fiole. J'adore. Donc c'est vraiment visuellement déjà la peau et le, le teint est éclatant. Les, les pores sont visiblement désobstrués, alors que moi, vous le savez, je, 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 je fais moi l'exfoliation, l'extraction. Mais euh, ben c'est super, le grain de peau est affiné. C'est Oh là là, j'ai presque de la peine à mettre du maquillage parce que c'est très beau comme ça. Ouais, HydraFacial, c'est de la bombe. Après, il y a hydrafacel, HydraFacial, c'est-à-dire que soit c'est juste l'aspiration, soit c'est vraiment le, le le tube là est, est doté des micro aiguilles, donc on on est dans les micro needling ce faisant. Il y a les deux, il y a les deux écoles, en fonction du besoin. Est-ce que vraiment on vient euh, hydrater simplement, nettoyer hydrater ou est-ce que vraiment on va chercher le boosting de collagène Moi, ça dépend. Je fais les deux. J'alterne. Mais ouais, hydrafacial, ce n'est pas du tout une blague. En revanche, le soin hydrafacial que je fais, la machine elle-même, parce que hydrafacial, c'est une marque. C'est le nom de la machine, c'est le nom de la marque. Moi, je fais chez le médecin esthétique, la, la machine n'est pas une machine hydrafaciale, mais le soin, c'est exactement la même chose. Moi, j'ai fait les deux. C'est exactement la même chose, sauf que ça me coûte beaucoup moins cher. Voilà. Mais, euh, ouais, ouais, il y a vraiment un avant et un après. Il y a vraiment un avant et un après. Si vous ne savez pas quoi faire que vous... Vous ne savez pas exactement mettre le doigt sur la problématique de votre peau, mais que généralement vous considérez que le teint est terne, la texture n'est pas bonne. Il y a un petit peu des traces de boutons d'acné, de. Il y a des zones de sécheresse, mais là c'est en surproduction de sébum. Je ne sais pas trop quoi, faites un facial. C'est vraiment mettre les choses à plat. C'est vraiment mettre les choses à plat, partir sur de bonnes bases. Hydra c'est de la bombe. Mon rêve, c'est d'avoir la machine à la maison. C'est Mais vrai que là, c'est pas la même chose. <laughs> moi, j'aimerais bien avoir toutes les machines chez moi. <laughs> Donc, Shibio euh, suit Beauty Skin and Brow. Sista, hello. <laughs> hello, sister. Ah non, c'est quoi Beauty Skin and Brow. À 44 ans. Comment faire pour éviter que tout file dans les ridules et rides Merci infiniment. T'es c'est une question en trois exemplaires. Euh, tu préconises les injections Botox au niveau front et sourcils J'hésite vu le prix et peur résultat. Il n'y a pas de point d'interrogation dans ta question. C'est une question ou c'est une affirmation Je ne préconise pas les injections. Moi, je ne préconise rien du tout. Je partage mon expérience. Il se trouve que pour moi... Mon visage, mon besoin, je fais le, les injections, le Botox. Mais je ne préconise pas le Botox. Je préconise, faites ce qui est bon pour vous. Non seulement je préconise, faites ce qui est bon pour vous, mais en plus, je vais en parler dans une vidéo Botox, parce que là, je suis très fraîchement Botoxée. Euh, au contraire, il y a des tonnes de gens à qui je le déconseille. Ça ne va pas à tout le monde, le Botox. Hein. Il y a des catastrophes nucléaires. Ça ne va pas à tout le monde, le Botox. Hein. Il y a des. Je vais vous dire un truc. Je l'ai dit la dernière fois, sur Dinana, parce que ça s'est tellement démocratisé. Parce que entre les injections sauvages, la diminution des prix, les prestataires dans le monde entier, le tourisme de la beauté maintenant, le forum shopping de la beauté, la Turquie, l'Asie, le. Euh, et les choses, et les choses maintenant, je vous le dis, je vous jure, je vis pas à Saint-Tropez, ni à Cannes, ni même rien. Hein. Mais quand je croise dix meufs dans la rue, sur les dix, il y en a huit qui ont fait quelque chose. Je le jure devant Dieu. Je vous le jure. Allah. Sur les huit, il y en a peut-être une où c'est réussi. Moi, mon indice de c'est réussi, c'est si tu ne le dis pas, la personne ne, ne le voit pas que tu as fait quelque chose. Moi, c'est ça mon étalon de référence. Il n'y a jamais personne qui m'a dit, t'as gonflé tes lèvres, par exemple. Jamais. Il n'y a jamais personne qui m'a dit « Tu as fait quelque chose à ton nez. » Jamais. Il n'y a jamais personne qui me dit « Toi, tu viens juste de faire ton botox, tu es complètement figé. » Jamais. Parce que très bien fait, par les meilleurs, et en fonction de mon besoin, pas en fonction de la mode. La mode, c'est quoi Le fameux pare-brise, la glace répare, glace remplace. C'est moche Ça va à personne moi personnellement, je trouve que c'est le front Frankenstein. 9 fois sur 10, la meuf, elle était mieux avant. Parce que j'ai l'air de m'énerver, je vais garder cet énervement en réserve pour la vidéo Botox. Je ne préconise pas du tout. Les meufs, elles sont en train de faire des procédures de médecine esthétique, pas parce que ça répond à un besoin réel qu'elles constatent ou qu'elles imaginent, mais à l'origine duquel elles se trouvent subjectivement. Non Maintenant, on fait de la médecine esthétique de la même manière qu'on achète des fringues, c'est-à-dire en fonction de la mode. Mais ça ne va pas est... Il y a... est... Où est la cohérence Où est la cohérence Où est la cohérence Ça massacre des beautés hein. Moi, je vous l'ai dit. Je vois des, des nanas de la vraie vie qui sont des prestataires, par exemple euh, auxquels j'ai affaire quotidiennement, parce que qui ma commerçante, qui une administration, qui que ceci que voilà, dans la vraie vie, dans la société, et je me dis mais ma zette, pourquoi t'es allée toucher Pourquoi t'es allée toucher La médecine esthétique, au même titre que la chirurgie esthétique. Si ça vous rend moins belle qu'avant, ça... ne le faites pas. <laughs> ne le faites pas. Qu'est-ce que c'est que Elle dort, elle est morte, elle est choquée, elle rit, elle pleure. Qu'est-ce qui se passe Il n'y a plus d'émotion. Il y' a plus de... Ce sont des fronts euh, par euh, glace, par brise. Non Mais ça, je vais garder mon énervement pour plus tard, je vais me calmer. Mais pour te corriger si parce que là c'est important, je ne vois pas le point d'interrogation donc c'est une affirmation. Non, je attendons-nous bien, entendons-nous bien, je ne préconise pas les injections. Je partage mon expérience lorsqu'elles sont indiquées. Moi, du haut de mes 41 ans, j'ai commencé si vous vous rappelez à 40 ans, c'était l'anniversaire de mes 40 ans. Il y avait un tout petit peu, c'était pas tellement la glabelle elle-même, le eleven là parce que j'aime que les gens voient quand je suis énervé. Mais c'était surtout le bourrelet qui était en dessous. Les membres savent, ont vu cette vidéo. Mais euh, c'était rafraîchir, c'était surtout la fatigue, le contour de l'œil, hein. le, le sillon, pas le sillon nasogénien, mais l'écart entre... Mais c'est toujours moi. Si je ne vous avais rien dit, les gens dans la vraie vie, mes gens, pas vous qui me voyez là avec les lumières, le maquillage, hein. les vrais gens dans la vraie vie, il n'y a jamais personne qui m'a dit « as fait ça, ça et ça ». T'es reposé, t'as pris des vacances, tu dors mieux. Voilà, c'est ça le but. Être soi en mieux, vieillir harmonieusement, pas devenir une espèce de. Ça devient, des, ça devient de la joke. Ça fait de la peine. Ça massacre des vraies beautés. Ça massacre des vraies beautés. Il y, y a des cas, je vous, je vous dis la vérité, je me dis, ça ne peut pas être un médecin assermenté. Ça ne peut pas être un médecin qui a prêté son serment, qui fasse ça. Et après, j'ai découvert. Hein, de la même manière, il y a des meufs qui se sont auto-improvisées euh, euh, prothésistes ongulaires. Lesquelles prothésistes ongulaires sont devenues entre-temps euh, les meufs qui ont qu on, qu on commencé à faire les bébés glos. Vous vous souvenez de cette ignominie Moi, je ne l'oublierai jamais. J'étais traumatisée par la crédulité. Euh, ça, c'est autre chose. Autre chose. Euh, chacune compose avec son niveau d'intelligence. Ça vous paraît peut-être violence que je suis en train de dire, mais hé, hey, parce qu'on dit l'influence, moi je suis influenceur là devant vous, mais ça ne veut pas dire de renoncer à sa propre réflexion, de renoncer à l'évidence, à la raison, à, 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 à la logique, mais ça c'est autre chose. Donc elles se sont improvisées le bébé glow, certaines se sont improvisées tatoueurs, euh, maquillage permanent. Euh, ensuite, c'est devenu les extra... Vous devriez voir ce qui se passe au niveau des, des cours de justice, des tribunaux, sur les dégâts, les conséquences. Euh, et maintenant, euh, les injections sauvages. Donc ça concerne qui Ça concerne la nana qui est plutôt désargentée, plutôt jeune généralement. Donc c'est catastrophique. Nana qui débute dans la vie avec ce bordel-là. Pardonnez cette vulgarité soudaine. Mais moi ça me met dans un grand état d'énervement. Un grand état d'énervement. D'accord J'espère que les confrères, là, ils, ils, ils y vont à d'onf et que les magistrats, ils y vont à d'onf aussi. Mais si, moi, pour moi, ça, c'est pas cible d'emprisonnement, c'est gravissime, hein. c'est attentatoire, euh... ah, moi, ça, c'est autre chose. Mais si vous voulez, non, je ne préconise pas les injections, je préconise de confier votre visage à un médecin esthétique. Ils ont, je l'ai dit, la science de voir ce que nous ne voyons pas. Ils comprennent l'équilibre des volumes d'un visage. Ils, 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 ils mettent absolument l'emphase sur le point fondamental de toute la question c'est chaque visage est unique mon propre visage les deux côtés de mon visage sont même pas parfaitement symétriques heureusement donc qu'est-ce que c'est que cette histoire de mode ce n'est pas logique Ensuite, il y a cette histoire parce que je vais après c'est la dernière phrase parce que je vais garder ça pour ma vidéo sur le botox. Il y a cette histoire des influenceurs, euh, les stars, pas les influenceurs, genre les stars, Madame Kardashian et toute la clique du bazar là. Vous les avez vus dans la vraie vie Je vous jure. Allez sur TikTok. Quand on les voit, la même photo. Par exemple Kim, quand elle était partisonnée là, il y a pas longtemps, euh, elle était plus ou moins, si vous voulez, euh, à Milan où chez Elle est en Italie. Je crois que c'était Milan parce que je crois que c'était la Fashion Week. Donc c'était Milan. Les photos d'elle, parce que toutes les photos d'elle que l'on voit, en fait, quasiment toutes les photos d'elle que l'on voit sont retouchées. Toutes. D'accord Les applications du retouchage, euh, Photoshop, je ne sais pas quoi. Là, ils ont montré la photo de Kim telle que elle l'a elle laissée paraître euh, hein, au niveau mondial. Et puis la même photo d'elle sans les retouches. C'est catastrophique Catastrophique C'est catastrophique Je vous le dis là, je vous regarde dans les yeux, elle est moche, c'est horrible, elle n'est pas moche, elle est scary. Scary, Frankenstein, Bogdanov, phénomène de foire, euh, euh, risible et ridicule, et pathétique, et triste, ultimement. moment. D'accord Donc non, je ne préconise pas si ça... Je ne préconise pas les injections. Je vous partage mon expérience. Moi, j'ai confié, je confie ma, ma bobine. Il n'est pas simplement médecin esthétique. Il est chirurgien plastique, spécialisé dans la reconstruction. Donc les feux, les morsures de chien, tout le bazar. Là. Non, je ne préconise pas les injections. Mais ta question était très longue. Et merci pour tout. Je te suis depuis longtemps. Bientôt membre, inshaAllah, j'espère. Je te le souhaite, Sista. Mais ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je comprends que vous ayez votre compréhension de ce que je dis. Parce qu'il y a des tonnes de choses que je dis et vous comprenez autre chose. Mais attention, ne me prêtez pas des intentions qui ne sont pas les miennes. Je suis consciente de ma responsabilité. Je ne préconise pas les injections. Ce n'est pas pour tout le monde. Okay. Donc je suis bien BK Beauty Pro Sister Hello. Le, même la poubelle derrière vous, elle a dit bien dit. Le meilleur masque hydratant et le meilleur masque désincrustant pour toi. Alors si vous voulez, c'est vrai que moi j'aime un bon masque. Je fais un masque tous les dimanches pendant que je suis en train de laver mes pinceaux. Je fais généralement l'un suivi de l'autre, en plus. Donc je suis confortable pour te répondre, mais là, j'hésite un tout petit peu. Pourquoi Il y en a beaucoup que j'adore. Pour ce qui est de la désincrustation, si vous voulez, le, le, la purification, un nettoyage vraiment profond des pores, il est très difficile de faire mieux que l'argile. Et devrais-je dire les argiles, les argiles Parce que je n'arrive plus à parler parce qu'elle n'arrête pas de sourire derrière vous elle me coupe la parole. Bon. Euh, les argiles, entre l'argile rouge, l'argile blanche, le kaoléen, c'est vrai que là, pendant très 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 longtemps, euh, le rare earth chez Kills, il est exceptionnel. Le mukvort chez Ethan Tree il est exceptionnel. Le clay rouge, lui-là, chez Micha il est vraiment exceptionnel. Je comprends pas qu'on en parle plus qu'on en parle pas plus il est phénoménal mais c'est vrai qu'en tout dernier ressort et depuis la première fois que je l'ai utilisé c'est marrant parce que la toute première fois que je l'ai utilisé c'était en live avec vous dans le cadre de ces collaborations avec Lou Fantastique le Deep chez Honest, madame alba il est phénoménal il est très phénoménal donc ça c'est pour le désincrustant Ensuite, le masque hydratant. Honnêtement, il est très difficile de faire mieux que le miel. Parce que le miel, il hydrate, il nourrit, il, c'est aseptisant, c'est cicatrisant. Le miel, même pur, de préférence Manuka, mais pur, utilisé comme ça sur le visage, c'est formidable. Le problème, quel est-il Ça coule parce que ça, ça fond, ça ne peut Ce produit chez I'm From, vous ne savez pas, je vais vous les chercher. Parce qu'on est là dans la théorie, dans les théories. Moi, je préfère vous donner les preuves. On est sur le terrain probatoire chez Madame Frenchway. C'est la chaleur, je dis vague. Bon. Voilà. Est-ce que ça filme toujours oui. Donc, chez Honest. 3 hein. en 1 détox, masque de boue détox. Hein. Donc, euh, ça c'est très merveilleux. Je vous renvoie vraiment à cette vidéo où vous-même vous m'avez vous dit Sabrina quand c'est le masque, on aurait dit quelqu'un d'autre, je sais. L'éclat, et... il est très doux, mais en même temps, il est vraiment très efficace. Donc, lui, pour ce qui est des désincrustants, et lui, chez I'm From, donc le Honey Mask, cosmétique asiatique, I'm From. Vous les connaissez beaucoup pour leur gamme au riz, notamment le Rice Toner, qui est exceptionnel, que moi j'adore. Euh, honey Mask. Et le truc de ouf avec ce masque, parce que si vous voulez, moi je m'en suis jamais cachée, je ne respecte pas tellement les, les, les indications, les, les directions d'emploi. Quand ils disent laisser poser 10 minutes, moi je laisse une petite heure. Eux, vous ne savez pas ce qu'ils disent Apply over a cleansed face, avoiding eye area. Leave for 10 minutes to one hour. Ils disent eux-mêmes, laissez poser une heure, entre 10 minutes et une heure. <laughs> Donc moi, je laisse deux heures. Je suis là, je Et il se tient, il coule pas comme ça sur le visage. Il est phénoménal. C'est un produit qui est phénoménal. Phénoménal. Le miel, on voudrait le manger. Je crois qu'il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux que lui. Donc, euh, Shibio au swim. Fatiana 7, coucou Sista, comment vas-tu Merci pour ta fidélité, ma beauté. Coucou Sabrina, le meilleur sérum anti-tache, j'avais vu ta question. Toujours le codali Moi, qui belle Sista Mouah, Merci, ma beauté. Oui, toujours euh, le Vino Perfect. Et là, je l'ai ramené pourquoi Vous saviez qu'il existait la Jumbo Size Ça, c'est le sérum, ben, je ne vous mens pas, et là, je ne sais pas si vous le voyez, il est comme on dit au bout du rouleau. Là, j'ai touché le fond, <laughs> littéralement. Et bien, vous saviez qu'il existait la Jumbo Size Jumbo Size, Vino Perfect. Sérum éclat anti pour moi, c'est vraiment le meilleur. Il est rapidement efficace. Tout de suite, on le voit. Ça c'est look fantastique. Utilisez le code. Il y a la quasi-totalité de la gamme Caudalie chez Look Fantastique. Les cleansers en mousse, les Vino Perfect, les choses. Euh, Vino Source. Euh, ça c'est très merveilleux. C'est un produit que je pense que je l'utiliserai toute ma vie. Il est vraiment exceptionnel. Vino Perfect, c'est pas que le sérum anti tache Il y a la crème, il y a les choses. Très merveilleux. Le monde entier, les asiatiques elles-mêmes, elles ont le choix. Les asiatiques elles-mêmes, elles plébiscitent ce produit. D'accord. Donc, euh, Shibio Swim. Je vais prendre un, un produit dans le carton. BK, la même que tout à l'heure. BK Beauty Pro. Hello, sister, pour toi. Quel est l'élément indispensable dans une routine soin si tu devais en garder un? quand garder qu'un. J'allais dire la protection UV. Si vraiment il ne doit en rester qu'un. Mais la protection UV, elle appelle le cleansing, le, nettoie, le nettoyage. S'il devrait en rester qu'un, je dirais le nettoyage. Et porter une cagoule à l'intérieur. <laughs> je ne sais pas. La L'élément indispensable dans une routine de soins, la protection UV. Mais le cleansing. Le cleansing, on ne peut pas ne pas nettoyer sa peau. D'accord euh, Le renouvellement cellulaire, la production du sébum, la transpiration, l'exposition à la pollution, euh, les radicaux libres. faut nettoyer sa peau. Mais dans le même temps, il ne faut pas sortir à poil. On ne peut pas. C'est très mauvais. Donc euh, l'élément indispensable. Ben, je vous dirai à la fois le cleansing et le protection UV. Vous voyez que je suis satinée depuis tout à l'heure ou pas Caudalie défend moi. Ouais. D'accord. C'est la réponse qui passe ou pas. La même annonce ah de celle de l'heure, Beauty Skin and Brow, le meilleur fond de teint pour toi. Alors je n'utilise que vraiment très très peu de fond de teint maintenant. Et c'est vrai qu'il y en a un qui vient d'arriver dans ma vie qui est plutôt phénoménal. Ça fait des années que je n'ai pas été euh, impressionnée à ce point par un fond de teint. Donc je vais vous le partager tantôt ensemble avec d'autres fameux focus. Mais entre les musts absolus, c'est-à-dire le Luminous Silk Charmony. le Double Wear de quand on on arrive à le maîtriser quand on le comprend euh, le Invisible Liquid Foundation chez Ex 1 Cosmetics euh, la pépite totale et absolue chez Maison Dior. Je vous en parle pas, mais ce produit, c'est un monstre. Mais il est cher, à... c'est-à-dire ça relève du droit pénal au niveau de, de son prix. Il est merveilleux. Il euh, y a vraiment une très très belle technologie dans ce fond de teint, la manière dont, il, comment il évolue en fait sur la peau. Enfin, c'est incroyable et comment il a une espèce de capacité de mimétisme en fonction des zones du visage. Moi, il y a des zones de mon visage qui sont plus sèches que d'autres. Il s'auto-équilibre. C'est inc incroyable. C est, c est truc Il est vraiment phénoménal. Chez Mac, il y a des, le Face and Body. Chez Mac, je suis désolée, il est merveilleux. Dior Forever Glow, euh, il est vraiment bon. Il n'est pas merveilleux, mais il est vraiment très bon. Il y en a des tonnes d'autres. Il y en a des tonnes d'autres. Évidemment, chez Maybelline, moi, le Fit Me Matte Poreless, c'est un absolu. Ça va vous paraître peut-être bizarre pour celles qui n'ont pas attrapé l'info, mais euh, lui-là, je l'ai toujours aimé, je l'aimerai toujours. Il coûte 3 francs 6 sous, c'est vraiment du drugstore, et je l'ai toujours aimé, je l'aimerai toujours. Mais donc, si on reste vraiment sur les fonds de teint, qui répondent vraiment à la définition, à la qualification de fonds de teint, pas les crèmes teintées, pas les bébés crèmes, pas les CC crèmes, les, les fonds de teint, fonds de teint... Je pense vraiment que mon absolu du monde de la vie de tous, c'est le liquide euh, invisible liquid foundation chez euh, Ex 1 Cosmetics. S'il ne devait en rester qu'un au monde, c'est lui. Pas à vous dire une chose. Sur la formule, sur les teintes, moi je suis sous ton olive. Vous savez que Pharaoh, l'histoire, je vous la raconte depuis tout ce temps. C'est un produit dont on ne parle pas. C'est une marque dont on ne parle pas beaucoup en France, mais je vous jure, ça cartonne. Euh, sur la texture, sur la, la, la tenue, la blendability, la tenue, il est fiable. Il est fiable. Il ne transfère pas tellement. Vous savez que moi, je ne suis pas une poudreuse, je ne poudre pas des masses. Pour moi, je pense que c'est vraiment le meilleur. C'est vraiment le meilleur. Pour moi, c'est mon préféré, d'accord. Mais c'est vrai que tous ceux que j'ai cités, il y en a encore des tonnes que j'ai pas cités. Euh, il, bon il, il y a des tonnes de très très bons fonds de teint maintenant. Il y a des tonnes de très très bons fonds de teint. En plus, là, je n'ai parlé que des fonds de teint liquides. Il y a les fonds de teint poudre, il y a les fonds de teint crème, il y a les fonds de teint, il y a des choses. Mais euh, ouais. Le hyaluronique chez By Terry, il est phénoménal. Il y en a des tonnes, d'accord Mais là, c'était vraiment pour répondre à ta question, système. Si Donc, euh, Chibi, on suit, Chibi, on suit. Ce qui est dans ma boîte. Alors lui, franchement, je vous dis la vérité, je le découvre. C'est la toute première fois de ma vie que je le reçois, mais j'ai lu euh, les meilleures revues sur ce produit. Le problème éternel de tout le monde le contour de l'œil. Donc là, nous sommes sur une Brightening Eye Cream pour le contour des yeux teintés, les cernes foncées. Contour des yeux illuminateur, correction anti-cerne, teint irrégulier et tache brune. I repeat. Teint irrégulier et tache brune. Enlighten, qui veut dire éclaircissant. Si vous souffrez de cernes foncées. La marque, c'est Neostrata. Donc, Neostrata, j'en avais déjà entendu parler, mais pour un autre produit, ils sont reconnus pour avoir un gros labo. Il y a un gros labo puissant derrière. Donc, Neostrata, euh, cernes, regard fatigué appliquer délicatement sur le contour des yeux deux fois par jour. Et apparemment, ce produit est un monstre. Il est chez Look Fantastique. Quand je vous dis que le référencement, il est pain, là, vous le vérifiez par vous-même. Vous le savez déjà. Mais là, vous le vérifiez par vous-même. Utilisez le code. Donc, je vous promets de vous poster un article sur lui. Parce que malheureusement, si vous voulez, pendant toutes ces années, moi, ma problématique pour le contour de l'œil, c'était surtout... Que je creusais maintenant je dors mieux dieu bénisse du haut d'une belle quarantaine je suis en paix <laughs> je dors mieux <laughs> mais malheureusement maintenant je teinte donc je creuse moins mais maintenant je teinte donc c'est vrai que là je commence à m'intéresser quand même euh, et c'est comme ça que j'ai découvert et quand je l'ai vu chez le coup j'ai dit mais la chance qu'on a donc je vous promets de vous en faire une revue si vraiment est ce que ce que soit positif ou négatif je vous partagerai un article sur lui sur le blog. Parce que je suis très curieuse. Et quand je vous dis j'ai lu des, euh, des revues dithyrambiques, c'est n'est pas euh, machin, je l'ai vu sur TikTok, elle a dit qu'il était bien. Non Ce sont les sachants. Donc, chier euh, poursuit, je préfère vous dire un truc. Il y a un craquage de Zulip dans cette boîte. Parce que je me suis fait un kiff. Mais dans l'intervalle, les membres savent la fameuse vidéo les pépites de l'été il tu vraiment que des pépites hein. les retours sur cette vidéo Sabrina je l'ai attrapée t'avais raison j'y crois pas personne n'en parle I know Nuxe énorme coup de cœur pour vous rappeler la genèse les non membres dans l'une de mes box look fantastique j'ai eu un, un, un format voyage de ce produit chez Nux. et là où je le disais je suis très familière de et de, de Nux et de la gamme Prodigieux, notamment Prodigieuse de les huiles. Lui, je ne le connaissais pas du tout. Je l'ai eu dans la box, j'ai dit pardon, je suis tombée folle amoureuse de lui pendant mes vacances. Le gel de, gelé de douche, pardon, gelé de douche parfumée, prodigieux floral, euh, nettoie adouci à l'huile d'amande douce. L'odeur de ce produit l'odeur de ce produit parce que c'est vrai que là j'arrive pas à l'ouvrir c'est vrai qu'il y a par ailleurs parce que moi si vous voulez la douche même si c'est une very quick shower de toute façon en été je fais pas généralement de longues longues douches moi je lave pas les cheveux dans la douche donc c'est vraiment que la douche c'est vraiment en hiver que j'aime bien rester sous la douche l'eau chaude pas trop chaude mais je en été, je ne fais pas de très très longues douches. Donc, même sur les very quick shower, j'ai quand même besoin d'avoir un produit où la texture est agréable sur ma peau. Où la mousse est dense et belle et riche et généreuse. Et où l'odeur est... est évasion et bonheur. Parce que moi, je me douche, bon là, en ce moment, et le matin et le soir, mais je me douche systématiquement le matin. Les, les attendees du séminaire vont comprendre quelque chose par rapport à cette douche matinale-là. Qui va changer votre vie. Mais si vous voulez... C'est comme ça que je débute ma journée. J'ai fait ma méditation, j'ai fait ma gymnastique faciale, j'ai fait ma marche, j'ai fait mon kahwa, je suis dans les meilleures dispositions. Il peut arriver n'importe quoi dans ma vie, je suis prête, d'accord La douche, ça fait vraiment partie de, 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 de ce bouclier pour passer une bonne journée, d'accord Donc je peux pas avoir une odeur euh, approximative où euh, il me faut le chop et le pam donc vous savez pour Osmanthus les membres et maintenant vous savez pour lui. Ben là j'étais tellement amoureuse j'ai acheté ça. Donc là maintenant dans mes pompes Simple Human là c'est ça que je vais je vais mettre. Look fantastique le lot de deux à un prix imbattable. Est-ce que ça filme toujours? Oui Dieu bénisse. Et bien donc j'ai pensé parce que là je me rends compte que j'ai eu un petit cadeau avec mon les shampoings j'ai reçu le numéro 3. je suis trop contente. Le Air Perfector en, en, en bébé format comme ça c'est très très bien quand je vais en quand je en. super. Et avant de vous partager le dernier produit de cette vidéo, je prends une question. Euh, Maman Manon, bah c'est vrai que sans les lunettes la personne est très âgée. Est pas sympa. Manon Mia4, si ça cela fait un an. Que je cherche à me débarrasser des deux boutons d'acné sur le front qui reviennent. Mais elle a mis un 1, où est le 2 Parce que ce sont des photos, Sista, je vais essayer de retrouver ta vraie question si c'est pas trop tard dans les stories. Mais malheureusement, c'est trop tard. Donc c'est trop tard, si Sista, malheureusement. D'accord mais je cherche à me débarrasser de deux boutons d'acné sur le front qui reviennent. Alors là, c'est vrai que sous le contrôle de ceux dont c'est la profession, hein, c'est-à-dire les médecins, dermatologues en espèce, un an et ça revient, je ne suis pas sûr qu'il s'agisse de boutons d'acné. Je ne sais pas ce que c'est, mais un bouton d'acné qui revient, euh, ils sont deux. Et qui reviennent sur le front, et qui reviennent, et ça fait un an, ça me paraît quasiment impossible. Parce que le comédon, si vous voulez, de quoi s'agit-il exactement Le porc, c'est une accumulation de ces qui obstruent le porc, d'accord le porc ne sait plus respirer, ça se transforme en comédon. C'est d'abord un peu noir, ça dégénère et ça se transforme en comédon. Pour vraiment vous le résumer. Mais un an Donc, est-ce que tu as déjà procédé à une extraction Qu'est-ce qui se passe Un an et sur le front, c'est probablement autre chose, ça Est-ce que tu es en train de vivre quelque chose de désintoxication est-ce que tu es sur une purge de quelque chose Est-ce que tu n'es pas sur un déparasitage Est-ce que la santé de ton foie Je ne sais pas. Mais euh, médecin d'armato, prise de sang, je suis persuadée que la, la réponse est là. Un bouton d'acné sur un an, c'est impossible. Ce pas un bouton d'acné, ce pas ce que tu crois que c'est. D'accord Mais euh, seul le médecin d'armato pourra te identifier exactement ce dont il s'agit. Mais je suis très dubitatif sur un bouton, deux boutons d'acné qui reviennent au même endroit euh, depuis un an. Ça me paraît pas tout à fait euh, plausible. Okay. Les boutons, ils n'ont pas des racines. Euh, non, c'est autre chose, c'est ça. ma Jessica Herb, Jessica Rabin. Rabin. Coucou Sista, hello. As-tu un bon primer qui floute les pores à me conseiller, s'il te plaît? I love you too, baby. Alors, si vous voulez, euh, moi je n'aime pas trop les primers, mais je comprends l'intérêt. Parce que le primer, si vous voulez, c'est une couche supplémentaire. Si, comme moi, vous avez une routine de soins en plusieurs étapes, un layering, vous avez déjà votre essence. Votre ou vos sérums, votre crème de jour, votre protection UV. Après, il va être question de poser un make-up, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'une bébé crème, c'est ses crèmes, ou d'un fond de teint, ou d'une crème teintée, vous allez poser un produit teint. Avant ça, vous voulez poser encore une... Ça fait beaucoup, mais dans le même... Donc ça fait beaucoup. Mais dans le même temps, je comprends la volonté de vouloir flouter les pores. Des... C'est une problématique, c'est pro... après, après le contour de l'œil sec, c'est la problématique number one, les pores. D'accord Donc, il existe des techniques pour suppléer cette problématique sans utiliser de primer. Par exemple, l'ordre d'application de vos produits. C'est-à-dire que, par exemple, travailler l'anticerne et le bronzeur sous le fond de teint, c'est une solution. Poudrez légèrement quand vous avez fini votre routine de soin, avant d'appliquer votre maquillage, poudrez très légèrement. Et ensuite appliquez votre make-up. Non seulement ça va lui assurer une tenue euh, par balle, mais en plus un rendu très croignant. Et surtout, surtout, il y a ce fameux effet de floutage des pores. Parce qu'il y a la poudre. Mais si vraiment, 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 tu veux un bon primer, Malheureusement, c'est une marque qui est un petit peu compliquée. Il est un petit peu compliqué pour nous de l'attraper en France. Mais Dieu bien bénisse le UK. Space NK, euh, je pense que c'est chez eux que je l'ai attrapé. Tatcha, c'est une marque euh, asiatique hein, qui cartonne beaucoup, beaucoup aux États-Unis. Ce produit-là, chez Tatcha, j'entendais tous les gros, pas les, que les influenceurs, mais dans les influenceurs, les maquilleurs pro parler de ce produit ou l'utiliser dans des démos et tout ça, les Patrick Ta et tous les mecs. là et ouais. J'ai dit, ah bon euh, ouais. Je l'ai essayé. Il déchire. C'est-à-dire, c'est vraiment. Un... C'est pas simplement les porcs, c'était même les rides et ridules. Moi, j'ai dit, waouh Pour les marier tout ça, ouais, ouais, complètement. Tatcha. Il est un peu cher, en fait, il est très cher. Et puis, pour nous, les Françaises, il est compliqué de l'attraper. Mais si c'est pour moi, c'est vraiment le primer, c'est lui. Pour les porcs. Et les fines et ridules, et les fines rides et ridules. Canva lisse, parfait. Il y en a des tonnes qui l'utilisent même sans se maquiller. Il y a des hommes, par exemple, qui l'utilisent sans se maquiller. Juste lui. Notamment sur les cicatrices d'acné sur le nez et tout ça. Il est merveilleux. Mais vraiment, vraiment dans la limite du possible, évitez de superposer encore et encore et encore et encore. encore. Vraiment, ce truc de poudrer légèrement le visage, très légèrement, avec un pinceau duo-fibre, comme ça, ou un kabuki, en retirant vraiment l'excédent et tout. Je vous jure que ça fait vraiment son, son effet, c'est magique, vraiment. Mi donc, Shibio, euh, suis. Sanouche33, j'en ai pas, pas de question. Toutes tes vidéos sont complètes depuis des années. Merci à toi, Sabrina. Oh, merci à toi, ma beauté, ta fidélité depuis tout ce temps. T'es trop mignonne. T'es trop mignonne, ma beauté. Manouche, Manouche Bécoucousista, salut ça, meilleur gel fixant pour les sourcils s'il te plaît. Alors si vous voulez en ce moment celui que j'utilise, c'est quand même celui euh, que j'ai eu la chance de recevoir de chez Givenchy. Il est vraiment phénoménal. Mais c'est vrai que les meilleurs pour moi, ce sont ceux de chez Benefit. Benefit au niveau de sourcils, ils sont plutôt euh, installés. Euh, ils sont... Madame Beverly Hills en a un très très bon. Anastasia donc, euh, Madame Suarez donc, mais euh, confiez vos sourcils à Benefit. C'est plutôt plutôt fiable, plutôt très très bon, d'accord. Mais celui que j'utilise moi en ce moment, c'est celui dont je dispose, et donc c'est Maison Givenchy qui a la gentillesse de m'adresser euh, toutes les nouveautés. Et bien donc, L'une occulte, c'est mystérieux. Astuce contre les grains de milium. Alors si vous voulez les grains de milium, si vous voulez. Ça, là également, ça encore, c'est une problématique qui concerne beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que la survenance du grain de milium, quand réellement il s'agit de grain de milium, parce que généralement on pense que c'est ça, mais en fait c'est pas nécessairement ça, ça peut être autre chose, ça porte un autre nom, euh, un autre nom que j'ai oublié, très scientifique. Mais si vous voulez, la survenance des grains de milium, elle est quasi impossible à éviter. Elle est quasi inévitable. Pourquoi La zone du contour de l'œil est la seule zone du visage, je l'ai dit, vous le savez, qui est totalement dépourvue de clammes sébacées elle ne s'auto-hydrate pas. Et dans le même temps, c'est l'une des zones du visage la plus sollicitée, contour de l'œil, le contour de l'œil, le contour de la bouche. Bon, elle ne s'auto-hydrate pas, donc évidemment la sécheresse, les plis, les ridules, le, le, la fatigue, les choses. Donc évidemment, la tentation est grande de l'hydrater, de l'hydrater de la surhydrater. Donc première chose, veillez à limiter la survenance des grains de milium, c'est-à-dire N'utilisez pas des produits pour le contour de l'œil qui soient trop riches. Utilisez vraiment un contour de l'œil adapté à votre besoin. Ensuite, une fois qu'ils sont là, moi, la solution que, je, que moi, personnellement, j'emploie, c'est vraiment le médecin esthétique. Il les, euh, il les brûle, en fait. Mais c'est un peu douloureux, c'est cher, c'est long, et euh, ça n'empêche pas leur retour. Hein, voilà. Mais c'est efficace immédiatement. Parce que c'est efficace immédiatement. En revanche, j'arrive avec des tonnes de, de millium et je repars, il n'y en a plus un seul. Voilà. Mais c'est vrai qu'il euh, existe une autre... Euh, non, Siri, personne t'a demandé. Les grands esprits se rencontrent. Bien sûr, je n'en doute pas. D'accord Donc si tu parles, mais je suis poursuivi. <laughs> Euh, il existe des, des astuces. Hein c'est plus long, mais je vous jure que c'est efficace. Dans un premier temps, et là, concentrez-vous sur ce que je dis. Je ne suis pas en train de vous dire utilisez n'importe quel produit d'exfoliation et exfoliez votre contour de l'œil. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Le, la peau du contour de l'œil est excessivement fragile, c'est la plus fine. Mais il existe des produits qui sont à la fois exfoliants, mais mild très doux. Lui, il est merveilleux. Axis Y, Axis Y, cosmétique Asiatique, ce produit là sur le contour de l'œil suivi d'un contour de l'œil riche en rétinol. De toute façon, j'espère que vous utilisez déjà que vous utilisez déjà le rétinol pour le contour de l'œil, surtout si vous vous rapprochez de mon grand âge. <laughs> mais le contour de l'œil au rétinol. Donc bougez pas, je vais vous attraper. Beauty of Joseon, lui, il est très bon. Mais il y en a un autre chez son By Me qui est exceptionnel, ne quittez pas. Lui, c'est toute la gamme, il y a le sérum, etc., etc. Some By Me Retinol Intense Advanced Triple Action Eye Cream. Signe de l'âge, ride et euh, Skin Tone Darkening. Donc. Euh, euh, Ultra coloration, surcoloration, ultra pigmentation du contour de l'œil. Donc, donc, les cernes foncées. Donc, ça, c'est très merveilleux. Donc, l'exfoliant ensemble avec le rétinol sur le contour de l'œil et ils disparaissent. Mais c'est progressivement, mais je vous jure qu'ils disparaissent. Donc, c'est à vous de voir s'il y a deux écoles. Moi, je veux les le résultat tout de suite. D'accord Mais je, les deux fonctionnent, les deux sont efficaces. Mais les graines de milium, oui, je l'ai dit, c'est quasiment inévitable. Parce qu'il faut, faut l'hydrater la zone. Donc, euh... par contre, soyez attentifs quand vous, vous voyez, parce qu'ils arrivent jamais d'un coup d'un seul au galop euh, tous ensemble. Quand vous commencez à en boire un arriver, ça veut dire que là il faut soit utiliser moins de produits parce qu'il y a aussi un gros problème de, de surutilisation du produit. Il y a ce truc de plus jamais plus être efficace. Non, il faut vraiment en mettre très très peu. Hein. D'accord, très très peu. C'est un grain de riz réparti sur les deux annulaires. Hein. Très très peu. Hein. Donc, quand Shibio swim. Mehdi, c'est mon brother? Mehdi na deux S. Hello! Bibi Beauty and Best and Beast. Because t'es une bête de meuf. <laughs> I know! <laughs> ah, bah. <laughs> Il est marrant ton message. Qu'est-ce que tu n'utilises plus? Outils et ou produits? Alors, c'est vrai que moi, c'est vrai que je suis quand même plutôt euh, fidèle aux produits. Il y a des produits que j'utilise depuis euh, des années, des années. J'ai évolué parce que, je prends de l'âge, j'évolue même dans mes goûts, dans mes besoins, etc. Mais il y a des temples. Ils ne sont pas rares les produits dans mes salles de bain qui sont des temples que j'utilise depuis plus de 10 ans. Hein. Ils ne sont pas rares. En revanche, c'est vrai qu'il y, y a de la nouveauté qui s'adjoint, qui vient s'ajouter à, à l'heureuse équipée. Il n'y a pas vraiment un produit que je n'utilise plus, plus. Mais il y a une machine que je n'utilise plus du tout, c'est le, quelqu'un m'a interrogé là-dessus récemment, le PMD, je n'utilise l'utilise plus du tout, je fais toujours de la dermabrasion, microdermabrasion, mais en institut, en cabinet de médecine esthétique, pardon. Euh, Qu'est-ce que je n'utilise plus ben, Back in the day, j'utilisais l'épilateur électrique, ce n'est plus du tout le cas. Je suis épilée à vie, <laughs> de manière permanente. <laughs> euh... Pas que je n'utilise plus, mais que j'utilise beaucoup moins. Je l'ai dit, le fond de teint. Hein. Maintenant, ce sont les crèmes teintées, euh, les, les... même les sérums teintés, beaucoup. Euh, les huiles teintées, les produits teintés, qui sont à la fois des produits de soins, évidemment. Euh... Voilà, il je... n'y a rien que vraiment qui me vienne à l'esprit. C'est plutôt une, une, une évolution des mêmes produits qui sont davantage adaptés à mes besoins du haut d'une belle quarantaine. Mais il n'y a pas de ce que je n'utilise plus du tout. Cheers, Stray. Mais c'était une excellente question, mon brother. En plus du compliment de la famille. Je prends. Au pays du bonheur, il est mignon ton pseudo. C'est la première fois que je te lis, Sista. Bienvenue. Au pays du bonheur, 32, coucou, Sab. Hello! Avec l'âge, le décolleté se ride, absolument. As-tu un produit magique, toi, notre fée des bibises. Ben, Je l'ai dit un peu plus tôt, mais vraiment, j'insiste sur euh, le brossage, la radiofréquence, les huiles, le rétinol. Tout le monde pense au rétinol sur le visage et pas sur le corps. Pourquoi La peau, c'est un seul et même organe. Hein. C'est le plus grand organe de notre corps. Moi, j'utilise le rétinol même sur les babalans. Bien sûr. Ben là, je vous dis, les choses sont pas beaux. Gestuelle à l'appui, par ailleurs, c'est assez étonnant. Mais ça s'est passé, donc on avance. Je vais le garder, je ne vais pas le couper au montage. Parce que là, on n'est pas dans les tabous. Bon. Oui, le décolleté. Après, si vous voulez, je suis quand même en train de m'intéresser au. Ils appellent ça le taping. Je suis quand même en train de m'y intéresser. Et pour le visage et pour le chest. Mais oui, moi, j'ai pris les devants il y a longtemps. C'est-à-dire que le cou et le décolleté, c'est en anticipation. Hein. Moi, je vous l'ai dit, je prends soin de mon cou depuis que j'ai 20 ans. Moi, je suis dans lanti depuis la, la deuxième moitié de ma vingtaine. Donc, je vous parle d'un temps. <laughs> Aujourd'hui, je, je m'en félicite. Je l'ai dit, je vois des nénettes qui ont un tout petit peu moins que mon âge ou mon âge. Où je me dis, c'est n'est catast pas catastrophique, mais c'est dommage. C'est dommage. Mmh. Rosenko, comment vas-tu, ma sister? As-tu une bonne crème cicatrisante pour atténuer des cicatrices de points de suture? Oui, Kelocote, elle. Elle est redoutablement efficace. Elle est un peu chère, mais elle est redoutablement efficace à condition vraiment de l'utiliser très tôt et de l'utiliser concrètement et sérieusement, tel qu'indiqué. C'est-à-dire qu'il faut mettre le sparadrap par-dessus, etc. etc. Mais elle, elle est très formidable. Mais si vraiment vous avez des cicatrices, même les kéloïdes qui sont très épaisses et tout, le laser vient à bout de tout. Si vraiment vous vous déplorez des cicatrices que vous estimez disgracieuses, qui vous dérangent vraiment, même une cicatrice kéloïde donc les très très épaisses là, même les cicatrices kéloïdes même les cicatrices anciennes, le laser vient à bout de tout. D'accord. Et bien donc, oh, si la même Rosenko me demande « Comment fais-tu pour les poils incarnés au niveau du maillot ?» Je n'en ai pas. Mais c'est vrai que par rapport aux poils incarnés au niveau du maillot, si vous voulez, l'arme la, 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 de destruction massive du poil incarné, ou qu'il se situe sur le corps, c'est l'exfoliation. Dans l'exfoliation, la dans l là, qui est ça Le oui. hooking. D'accord Après, il existe ce produit qui est merveilleux pour les poils incarnés. Mais c'est vrai que là, moi, c'est une problématique de laquelle je ne souffre pas. Hein de laquelle je n'ai jamais vraiment souffert, par ailleurs. Okay. mais donc, quand chez suis on suit. mais, non, hello, sister. la trousse essentielle, skincare, quand on part en vacances. mille bibis. Bah, la trousse essentielle, skincare, quand on part en vacances, mille bibis, si vous voulez. La même que ce que j'utilise là, juste en baby size, avec peut-être davantage de, de protection UV parce que je pars en vacances, que ce soit au soleil, en fait que ce soit à la mer ou à la montagne, je suis au soleil, donc vraiment renforcer les protections UV, le, 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 la protection UV pour les lèvres, protection UV pour le, le cuir chevelu, protection UV pour les cheveux eux-mêmes, protection UV, pro, renforcement de la protection UV. Mais moi, quand je pars en vacances, si vous voulez, c'est pas nécessairement à la trousse de toilette que je fais super attention. Je, mets, je glisse ce système, mais ça rejoint la, pour rester dans la thématique du skincare. Moi, c'est vrai que si vous voulez, j'ai un peu la pause de manière générale dans ma vie parce que c'est vrai que je parle vite. Est-ce que c'est parce que je m'expose à des choses Est-ce que c'est parce que je fais des expérimentations euh, culinaires Je ne sais pas. J'ai une fâcheuse tendance à faire des espèces d'éruptions cutanées, slash allergies, slash réactions. Donc, dans ma trousse de toilette, je mets, vous savez quoi Sont bon. Moi, je suis contre l'effet contre. Je suis plutôt. Euh, J'évite. Je suis dans une stratégie d'évitement de la médication, mais dans ma trousse de toilette de vacances, il y a systématiquement du Zirtec, antihistaminique. Zirtec d'infarmerie. Ça répond à ta question ou pas, si ça Pour parler des vraies choses de la vraie vie, il y a deux choses que je prends avec moi ou que j'aille dans le monde. Trois, en comptant les AirTags. Le Zirtec, antihistaminique. Et euh, le herstag et la serrure renforcée pour les portes, le zirtec antihistaminique et le génie sans frotter parce que personne d'autre dans le monde ne l'a. On est les seuls à l'avoir. Donc ça n'a rien à voir avec cette vidéo, mais moi je vous dis les vraies choses de la vraie vie. Je peux aller dans les hôtels de luxe, je sais pas quoi les nanana. Dieu bénisse. Hein moi je fais pas le sac à dos roots, je sais pas quoi l'aventure sur le routier. Non, moi je Dieu bénisse, j'ai bon. Mais mon génie sans frotter le gel, pas la poudre, le génie sans frotter, et le zirtec. Donc ça n'avait rien à voir avec le... mais c'est la vérité, c'est ça. <laughs> Moi, je suis une vraie nana de la vraie vie, vous le savez. <rire> <Bon>. <rire> Avant de poursuivre le dernier produit de cette vidéo, je me suis fait un gros kiff. Ça fait très longtemps que j'en ai envie, donc c'est vrai que... Vous le savez, je suis l'heureuse propriétaire de l'intégralité... En fait, de la quasi-intégralité de la gamme réplica chez Maison Margiela. Les fragrances. Les deux que je n'ai pas, ce sont eux-là. Donc ceux qui sont. Je ne sais pas s'ils répondent encore à la définition de réplica. Tous les autres, je les ai, je les adore. Ben là, je me suis attrapé Pour la toute première fois de ma vie, j'avais déjà attrapé la bougie. Mais Là, je me suis attrapée. Maison Margiela réplica. Reproduction of familiar scents and moments of varying locations and periods. <laughs> she really did it like she has never spoken English before. <laughs> bon. Lazy Sunday morning, c'est le lait pour le corps. C'est probablement ma fragrance favorite chez Margiela. Je les aime toutes. Hein. Under the lemon trees, là en ce moment je suis beaucoup sur le sale. Le, euh, le bleu là, lui. Ils sont tous chez, euh, chez Look Fantastic. C'est chez eux que je les attrape, moi. Là, ça va être bientôt l'heure de jazz. Euh, under the uh, fireplace. Pas under the fire, bleh, 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 fireplace. Le, Mais là, c'est vrai que là. Euh, Lazy Sunday morning, c'est ma préférée. Et là, c'est le lait pour le corps. Soft skin and bed linen. Ah non, pardon. C'est le lait pour le corps, il arrive. Il est dans la commande que j'ai pas encore reçu lui. C'est le foaming gel, shower gel. Pardon, c'est le shower gel. Mais le lait, il arrive. Je vous le partagerai quand il sera arrivé, d'accord Mais euh, ils sont sur euh, look fantastique. Donc <laughs> raison de plus, ladies and gentlemen, mien. Je suis la plus heureuse du monde entier. Donc avant de prendre une question, ne quittez pas parce qu'il y a un téléphone qui s'énerve. Donc, swim au Swim. Parce qu'on a été interrompu très longtemps. C'est vrai que j'ai été prise par des obligations. <laughs> Encore quelques questions, les filles et les garçons. Alors, swim au Swim. Nas Pub. Nas Pub. Comment garder le bronzage plus longtemps ben, la, Le secret d'un bronzage déjà réussi et surtout, surtout. Euh, qui tiennent le plus longtemps possible, lui assurer une longévité taille optimale, quelque part. L'exfoliation, le hookage et l'hydratation. Donc les huiles. Là, il faut, faut aller sur les huiles. Mais vraiment, en tout premier lieu, vraiment le, le, le gommage, l'exfoliation. Vraiment. Chibi aussi, 84, Coucou Que penses-tu des crèmes L'Oréal vendues en supermarché Merci. C'est très bien. Il y a évidemment beaucoup mieux, mais elles sont très bien. Elles sont vraiment très bien. Notamment tout ce qui va être les revitalistes et les Bazars. Je connais pas tout, mais il y a un gros... L'Oréal, c'est le numéro un mondial. Il y a un énorme labo derrière L'Oréal. Donc oui, L'Oréal, tout à fait. Mais il y, a, il y a, comparativement à ce qui existe, notamment cosmétique asiatique, Varum. Mais oui, ils ont des produits exceptionnels, exceptionnels L'Oréal, aussi bien dans le make-up que dans le skincare par ailleurs. Donc un chibi suis. Hey bro, fais-tu souvent sona facial Oui, absolument, parce que je fais l'extraction. Donc oui, je fais sona facial. Et mais quelquefois je fais même sona facial, même pas pour l'extraction, mais pour optimiser la pose d'un masque. Parce que là, maintenant, moi, j'ai un sauna facial avec le bras et tout. J'ai le même truc à l'institut. Donc, c'est vrai que là, c'est intéressant. Meilleur produit thème du moment, Fanny, je te donne rendez-vous bientôt. Tu le sauras bientôt et pas que lui et de tout, tout, tout le bazar. <laughs> What Le cheveu musse, on est sur un cheveu qui muse, qui puce et qui muse. <laughs> De plus malin pour Encore une ou deux questions les filles et les garçons et après je vous laisse. Kevin, le même Kevin, que penses-tu de Herborian Meilleure bébé crème selon beaucoup. Non, ceux qui trouvent que la bébé crème Herborian est la meilleure n'ont jamais essayé la Misha. Mais il y a de très très bons produits chez Herborian. Moi, cet été, j'ai essayé ça là. Le gel, euh, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Mais ce sont pas les meilleurs, mais ils sont exceptionnellement bons, tout à fait. Vraiment. Nika. Sofiana Slim, hi sister, hi. Une gamme shampoing qui sent divinement bon et rend les cheveux beaux, à me conseiller. Ben, une qui sent particulièrement bon. Et qui rendent les cheveux beaux. Euh, la gamme Ripper chez Gros Gorgeous, l'odeur est exceptionnelle. Et les produits sont bons. Le shampoing est phénoménal. Le masque Ripper est phénoménal. Et ça sent vraiment très, très bon. Le même Kevin, que penses-tu du bébé Glow? Là, mon brother, je te soupçonne d'essayer de, de provoquer chez moi une réaction de colère. Donc, je vais me réfréner. Mais c'est bullshit. Moi, je vous dis honnêtement, dans ces cas-là, ça va vous paraître sévère. Mais parce que je vous aime et parce que ma présence ici, est, ma, la, ma motivation est altruiste. C'est le partage. Donc, c'est comme quand je vous fais le coaching. Moi, je ne suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil. Je suis là. S'il faut se fâcher, je me fâche. Moi, j'en veux aux incrédules. Oui, j'ai été piégée moi-même sur le truc du sourcil, etc. D'accord Mais parce que j'ai. Voilà, c'est une nana qui faisait des célébrités et des machins et tout. Bon, je me suis laissé avoir. Mais sur sa qualification, en fait. Mais le bébé ce c'est pas la question de la, de la qualification du prestataire, c'est une question que le, le concept lui-même, il est très évidemment complètement bullshit. Donc moi, j'en veux à celles qui ont cette naïveté. Là, par contre, c'est pas un manque de diligence, un manque de vérification. Là, c'est de la bêtise pure. C'est de la bêtise pure. C'est de la bêtise pure injecté par micro un pigment qui est censé impacter la carnation de chacune, et qui est censé euh, auquel on assure une longévité, répète cette phrase dix fois. Essaye de l'écrire et considère euh, si tout est OK. Come on. Non. Encore. Et on a vu, c'est pareil. Hein. On a vu. Renseignez-vous, renseignez-vous. C'est pas parce que moi j'ai été avocat, j'ai pas accès à ces informations dans le... pas eu accès à ces informations dans le cadre de, de l'exercice de ma profession. C'est Google, la curiosité, croiser les trucs, les lectures. Il y a eu des des, des Staphylocoques, il y a eu des, des catastrophes, des catastrophes. D'accord On a presque plus de questions. Même Kevin, ben, Kevin c'est pareil, quand il lance des questions, il est au max, j'adore. Quelle est ta palette yeux, crawl, mascara et eyeliner préférée Alors en ce moment, si vous voulez, euh, les deux palettes que j'adore, que j'adore, c'est vraiment la minimaliste, je ne sais plus quoi, là, de Mario, Makeup Bar Mario, elle est vraiment phénoménale. Et chez Vive, Geneviève, Vive, cette palette-là qui est phénoménale. Le crawl, c'est toujours... Euh si vous voulez les 24 Glide On d'Urban de, Decay, j'ai des backups pour le restant de ma vie. Euh, mascara, le je ne sais plus quoi chez Saint-Laurent, qui est formidable. Couture je ne sais plus quoi, 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 là. Pff. Je dis couture parce que le flacon est très beau, mais il s'appelle pas couture. Je l'ai partagé aussi, Stas, aux membres. Euh, Et eyeliner, euh, je l'utilise peu, mais j'utilise celui d'Armani. Et les fonds mais il est très difficile de faire mieux que le eyeliner de Madame KVD. C'est vrai que là. Et donc, euh, Chibi suis... Stéphanie Louvet, coucou Sista. Ton opinion sur bah. les ongles ultra longs des influenceuses Robert. pas, Ce ne sont pas seulement les, les influenceuses, ça devient pareil, c'est comme tout, c'est la mode. Bon, moi, ma première réaction, si vous voulez, c'est que je trouve que c'est vraiment ridicule, c'est moche. C'est je suis ridicule, mais c'est surtout Bibi moncle qui je ne veux rien avoir à faire avec ces personnes. Je ne veux rien boire ni manger de quelque chose qu'elle a approché, parce que à moins de se tartiner en permanence de gel hydroalcoolique ou de passer sa vie à se laver les mains, il est impossible que tout ceci soit hygiénique. Ceci étant dit, cette République est démocratique, allegedly, chacun fait ce qui lui plaît, hein. c'est chacun voit midi. Mais moi, je ne souhaite pas. Non. En plus, presque ironiquement, je trouve que c'est l'antiféminin. ça, c'est... Edwige, bonjour Sabrina, un soin ou autre pour l'hyperpigmentation au niveau des parties intimes, s'il te plaît Reviens-moi dans les messages privés, Sista. T'es membre Reviens-moi dans les messages privés, j'ai le, le miracle. Surtout pour euh, les Sistas de ta carnation. Reviens-moi dans les messages privés, Sista. Pour revenir à nos la même Stéphanie Louvet, si tu ne devais mettre qu'un seul produit de maquillage hors préparation de la peau, lequel Le blush et je prendrai un blush qui, qui remplit presque l'office de blush bronzeur Que je puisse un petit peu réchauffer le teint et tout, le blush. Bibi, les blushs pour les dernières <laughs> Vous le savez. Voilà. Chibius, oui. Quel est ton produit Ma petite lyonnaise, ma poupée d'amour. Comment vas-tu, ma sista Quel est ton produit favori du moment pour un kiff cocooning Je te dis la vérité, sista, c'est ça. Je me dis, ah, je dois, je dois, je dois faire deux heures d'email là. Attends, je vais aller me mettre un petit peu de. Ah, ben là, j'ai fini mon ménage. Tu sais pas, je vais mettre un petit peu de la codali Ah, ben ça y est, c'est le dodo. C'est avant le pitch. Tu sais pas, je vais me mettre un peu de la caudalie. J'ai toutes les excuses. C'est pour ça que je les bois, on dirait. Ça, c'est les deuxièmes. Les deuxièmes exemplaires. Là, c'est mon produit cocooning en ce moment. Je préfère vous dire une chose. Et je vais le garder toute l'année. C'est pour ça que j'espère qu'il est permanent. Parce qu'en hiver et tout, oh là là, j'adore. D'accord Moi, vous savez que je, je, je suis mes <laughs> J'adore les huiles. Bon. <laughs> Mims, MPM, coucou ma sista. De tout cas, merci pour ta fidélité. Tu es partout. De ce que je comprends, tu as du mal à t'abonner. À devenir membre. Pas à t'abonner, à devenir membre. C'est très simple, les filles, rapportez-moi si vous avez du mal apparemment, le lien que je vous indique. Pour certaines, il marche et pour d'autres, il ne marche pas. Ce qui me laisse moi comprendre, si vous voulez, même si je suis dans un aléa de la compréhension informatique. <laughs> c'est pas le lien le problème alors. Sinon, il marcherait pour personne. Donc, euh, c'est triste, vous loupez Big Time. Et là, vous, vous loupez vraiment, vous loupez. Euh, les filles membres et les garçons, le live, il arrive là. Ben, il... Ah, c'est le même jour. Ah, c'est le même jour, c'est Tonight, le live, notre live. <laughs> Donc, non, c'est le Tonight ou pas Tonight Non, c'est à la semaine prochaine, le 17, on a dit. Euh, préparez vos questions si vous avez des questions, hein. faisons-en faisons un truc euh, sur un thème de chat, que le que sais-je. C'est vous qui dirigez le live. Moi, je suis à votre disposition, avec joie et bonheur, d'accord Et gratitude, vraiment. Et puis c'est vrai que j'aime bien parler parce que là ça fait presque trois heures que je parle. <laughs> quel est ton must, S.N.J. Quel est ton must pour repulper la peau hors, hors injection, le dermaroller, le dermaroller. Parce que à la différence de ce que les, ceux qui en ont après vo votre argent et qui comptent sur votre crédulité <laughs> prétendent avec les poudres de collagène là. Le micro-needling, là, pour le coup, lui, il booste vraiment la production du collagène. Donc, évidemment, très immédiatement et quasi immédiatement, le, la peau est repulpée, etc. Mais c'est vrai que là, dans le, dans le cadre de, de, des techniques de la médecine esthétique, je m'intéresse très fortement. Et je pense que je vais procéder là dès lors que je vais à Londres. Profile, c'est ma prochaine target. Je suis encore en train de finaliser mes recherches sur ce sujet. Mais profilo, je pense, là, ça va être euh, renseignez vous, monsieur champion. Mais donc, Chibi, je Quelle est la meilleure prévention anti-âge la même sista? Quelle est la meilleure prévention anti-relâchement anti du visage? La gymnastique faciale, le yoga facial. Absolument. Absolument. Je fais une dernière... Une dernière question. Personne ne le souligne, mais moi je, je suis espantée d'évoluer de cette manière sans mes lunettes de vue. Personne ne l'a souligné. Clarisse, coucou Sista, hello ma beauté. Une solution acné sur le corps, cuisse, fesse. Oui. Alors c'est vrai que moi je n'ai pas de tabac. Dans un premier temps, si vous voulez, l'exfoliation, donc le hookage. Uh -huh. La qui est ça, je vous la mets la meilleure dans la barre d'infos. Si vous vous souvenez, pendant les prime days, j'avais attrapé des qui est 7, j'étais pas très, euh, j'étais un petit peu dubitatif parce que moi je suis rebelle et c'est vrai pour moi les meilleures qui est 7 c'est celle du bled, mais quand papa aller au bled, c'est celle du marché le dimanche chez l'arabe. Bon, là je les attrapés sur Amazon, elles déchirent, elles sont vraiment très efficaces. Donc la qui est ça ensuite on ne Certes, il est important d'hydrater la peau, le corps, hein, ceux qui ne le font pas, moi j'ai de la peine pour eux, mais n'essayez pas, less is more, n'essayez pas d'utiliser trop de produits, n'essayez pas d'utiliser des produits trop, trop riches, trop gras. Ensuite, si vous voulez, l'acide salicylique, ça existe dans les gels douche. L'essence de tea tree, c'est l'arbre à thé, ça existe dans les gels douche. Utilisez, utilisez ces produits Certains sont formulés pour, d'autres ne le sont pas spécifiquement, mais contiennent ces deux actifs, donc l'acide salicylique et l'huile d'arbre thé. C'est très efficace. Très efficace. Très efficace. Évitez les, les produits contenant du parfum. Évitez les produits contenant du parfum. Et ça devrait aller mieux très vite. Dans la mesure du possible et dans euh, la limite de la décence euh, que nous impose le code pénal, <laughs> exposez-vous au soleil. D'accord Avec une protection UV, cela va sans dire. Mais euh, oui, l'arbre raté, l'acide salicylique. Maintenant, c'est très démocratisé dans les gels douche, dans les crèmes même pour le corps, sur un coton, euh, dans les tonneurs, les choses. Et ça devrait aller très très vite, euh, très mieux, très rapidement. D'accord Très mieux Bien mieux, très vite. <laughs> wow. Et là, il est l'heure de s'arrêter. Hein <laughs> Est-ce qu'on reprend encore une dernière question? J'ai ma Stéphanie Louvet qui me donne encore des babies. Le même Kevin, et ce sera la dernière question, ladies and gentlemen. Termine par le meilleur. <laughs> le meilleur pour la fin. Que penses-tu du retour au make-up naturel? Sérum teinté, blush et bronzer liquide? Ah ben moi, j'en suis fort aise. parce que moi, si vous voulez, considérant mon, mon grand âge d'une quarantaine, c'est très naturellement vers ça que je me dirige. De manière générale, je suis sur le plus naturel, et je le disais la dernière fois, et là, je me fais mentir moi-même, mais je vais même renoncer, je pense, aux fossiles. Là, je suis en train de dépigmenter mes sourcils, de les détatouer en réalité. Je, je veux plus nécessairement le, 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 le beaten face, tu sais, le, le, le make-up, contouring. Ouais. Je vais beaucoup plus sur le, le, le recours au fond de teint. Maintenant, c'est vraiment très, très ponctuel pour vraiment une circonstance. Et, ouais. Je vais moi-même naturellement sur les sérums teintés, les crèmes. Le j'ai jamais vraiment beaucoup poudré. Mais maintenant, j'essaie d'utiliser vraiment le, 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 les bronzeurs, les blushs, crèmes, les mêmes liquides. Le liquide, j'en suis forte, c'est très heureux tant mieux. Mais j'ai l'impression que ce phénomène auquel effectivement j'assiste et duquel je le disais, je me félicite, j'ai l'impression que concomitamment, il y a un phénomène strictement opposé qui est en train de se produire. Et c'est marrant, enfin c'est marrant, c'est triste, mais c'est ironique. Le constat, je le note également, au niveau mondial, et les mecs sur TikTok le disent beaucoup, là, il y a concomitamment, simultanément à ce phénomène de make-up rose, les blushs, le naturel, le... « Barely there », le « no make-up, make-up, il y a l'exact opposé, ou les extensions de cils, les lèvres gonflées, le contouring sur des mâchoires carrées, où il disait « les filles, vous êtes en train de ressembler à des traves, vous ressemblez à des transsexuels, vous ressemblez à des travestis. » Et c'est vrai que moi, malheureusement, je le note. Bon, c'est pas très sympa. mais je le notais beaucoup à Londres. C'est vrai qu'à Londres, il faut y aller, c'est très appréciable, hein. je ne leur jette pas à pierre. ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent, ça ne te pas. Mais je le notais beaucoup chez eux. Là, maintenant, je commence à le noter chez nous. Les sourcils, le, 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 le lamination, après c'est chacun voit midi. Moi, personnellement, je trouve que ce truc est très très moche, mais c'est vraiment, c'est chacun voit midi. Vraiment, je le pense. Hein. C'est chacun voit midi. D'accord Vraiment hein. Et le menton levé, et on est fier, et on assume. Et on fait ce qu'on fait pour soi, pas pour les autres. Moi, je suis la plus grande défenseuse de ce. ce, ce voilà. Mais c'est l'accumulation, la, en fait, de tout. C'est cette histoire de full package qui, de, qui frôle l'overdose. C'est-à-dire que sur un. Le cheveu, déjà, il y a ceci que voilà. Ensuite, les extra. Enfin, y a des... Bon. Ensuite, si vous voulez, le front est massivement botoxé. Le sourcil est très tatoué, slash laminé, slash les deux, c'est. Voilà, selon. Les extensions de cils jusqu'à Bubble Wed. Euh, sur un make-up, il n'y a plus tellement le make-up de jour et le make-up de nuit maintenant, c'est. Voilà. Sur une, un, un teint qui est ultra maquillé, du contouring très foncé, sur un blush, ok, il faut le faire remonter sur la pommette, mais là maintenant, on... soit même sur le contour de l'œil, mais, mais là maintenant, on voit des choses où c'est pas très, très maîtrisé. Sur des lèvres ultra gonflées, des mâchoires ultra cas Donc quand ils disent, ouais, les filles là, vous commencez vraiment, on s'interroge quand on vous voit sur quel est réellement votre genre. Là, ça devient un peu critique. Hein. Et c'est vrai que moi, malheureusement, je le constate. C'est dommage, parce que cette, ultra, cette, cette course effrénée vers la féminisation, en fait, parvient à ce résultat d'altérer notre féminité. On, on est naturellement féminine, on est des femmes. Donc on est très naturellement féminine au départ. Je ne sais pas si ça fait sens ce que je viens de dire. C'est vraiment un phénomène auquel j'assiste en ce moment et que je déplore, hein, ça me rend triste. Mais dans le même temps, voilà, il faut que je ne se passe. Moi, le make-up que je fais aujourd'hui à 40 ans, il est beaucoup plus raisonnable que le make-up que je faisais quand j'avais 20 ans ou quand je commençais à peine l'influence beauté ou le machin. Les cils que je portais, c'était ridicule. Il y a des mecs qui me disaient, ouais, t'es entrave. C'est bien fait. OK, <rire> merci. <rire> bon. Mais oui, je comprends qu'il faille une évolution et puis ça vient. Un, mais là, c'est vrai que ça va quand même dans des, des azimuts. Ah, les histoires de fossiles et tout ça, et euh, la maintenant la, la, la démocratisation de toutes les procédures d'injection et les choses, les, les fox, euh, fox, euh, wah, wah, wah. donc c'est vrai que là, c'est quand même un peu compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué, d'accord, dans le sens de c'est dommage, je le déplore un peu, mais dans le même temps, je reste cette, ce défenseur de, c'est chaque fait. C'est pour vous. Moi, je me maquille pas pour les gens. Je me maquille pas pour mon homme. Je me maquille pas pour la société. Je me maquille pour moi. Je fais des, des soins pour moi. Je, je mon bien-être, mon kiff, mon plaisir, mon choix, mon argent, mon corps, ma décision. Mais c'est vrai que too much. less is more et le mieux est l'ennemi du bien. Voilà. Donc euh, sur ces euh, réflexions philosophiques <laughs> que j'emprunte avec joie. <laughs> J'ai toujours euh, peine, quand je cite ces fameuses expressions, de ne jamais pouvoir leur attribuer une paternité ou une maternité. C'est dommage, hein parce que c'est tellement vrai. Mais bon, pour revenir à nos morts 10 ans là je vois 2h55, mais c'est vrai que les interruptions ça fait peut-être un bon 2h30. Donc je suis absolument ravie d'avoir offert à tout le monde une très très longue vidéo, ensemble, en collaboration de tout cœur, merci. Ensemble, aujourd'hui encore, pour cette magnifique collaboration en fil rouge, je le disais, avec Look Fantastique, les filles et les garçons, n'hésitez pas à profiter du code. Tous les produits mentionnés dans cette vidéo dans la barre d'infos. Et quant à nous, on se retrouve tout vite. Prenez bien soin de vous. Très, très belle rentrée. Le programme à venir est intense, et pour les membres, et pour les non-membres. C'est-à-dire qu'il va y en avoir pour, pour tous les deux. Et toutes les couleurs. <laughs> je vous embrasse toutes et tous très très fort. J'espère que vous serez euh, conciliants avec mon apparence parce que c'est vrai que là ce sont des situations caniculaires. Moi je suis là en train d'acheter un manteaux. On peut pas avoir un peu de froid, s'il vous plaît <laughs> Oui, j'ai d'idées, mais tu es mignon. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin des vôtres et on se retrouve tout vite. Bye. Au revoir. Oh, In every single way, your smile reminds me. In every single way, your smile reminds me.